My name is Hi, kids. Do you like Primus? Hi. My name is Mais il est malade, les gars, c'est un cadeau. C'est un cadeau, le débardeur est cadeau. On peut pas refuser un cadeau. C'est un cadeau, c'est un ami. C'est un ami qui a donné, c'est un ami, les gars. C'est un ami, les gars, qui m'a donné le débardeur. Je suis obligé de le mettre, s'il te plaît. Ma soirée GTA et sans caca, s'il te plaît. Les gars, on a eu des différends avec Loli. On s'est battu sur un parking d'Auchan. Et aujourd'hui, on a réglé les comptes. Vraiment, désolé, les mecs. C'est faux, les gars. Il n'y a aucune embrouille avec Loli. Loïs, c'est un ami, les gars. C'est un ami. Alors, le dimanche football va être avorté pour des. C'est des raisons. Pour des raisons. C'était des raisons, les gars. C'était vraiment des raisons. Qu'est-ce qu'il a tweeté, Pauletta FUT? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Stan Lafondu arrive à Los Santos ce soir. Vous avez pas Twitter ou quoi, les mecs? Vous avez pas Twitter, les mecs? Slim Shady en personne, ce genre de babtou révolutionnaire. Ce genre de babtou que la France a refoulé. Ils en veulent plus, mon pote. Ils n'en veulent plus, des mecs comme lui. Slim Shady arrive à Los Santos ce soir. Avec pas mal de latence. Un peu trop de latence à mon goût. Beaucoup trop de latence. Et c'est pas grave en soi. Qui est Slim Shady? Est-ce qu'on peut avoir une présentation du personnage ou... Parce que moi, je le connais pas, évidemment. Moi, je suis PFUT. Slim Shady, c'est un individu que je ne connais pas. Je connais Slim Shady, Eminem. Ça me fait penser à Eminem, moi, rapidement. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Slim Shady ou pas? Je pense que vous le connaissez pas. Je pense vraiment que le Slim Shady en question, vous ne le connaissez pas. J'allais dire, vous le connaîtrez peut-être jamais, mais si, vous allez apprendre à le découvrir ce soir. Et moi également, parce que moi, évidemment, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est: est-ce que t'es beau, toi? Est-ce que t'es beau, là? Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est en forme? Est-ce que t'es beau? Donc voilà, je tenais à m'excuser du retard. Je me suis pas foutu de votre gueule, j'étais là, j'étais prêt à lancer mon stream. Mais malheureusement, il y avait des derniers réglages à faire. C'était des réglages. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les mecs. Je suis vraiment, vraiment désolé du retard. C'est pas le genre de la maison. Dans tous les cas, dimanche football, pas grave en soi. Parce qu'en vrai de vrai, le foot aujourd'hui, comme ça. À part Liverpool, Manchester United, vite fait, Bruno Fernandes qui met un but du milieu de terrain, ok. Là, on est sur autre chose. Tu vois pas, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'on me recale du serveur. Avec un peu de latence, mais on est là. On va essayer de rentrer dans la ville, voir ce qui se passe. Apparemment, il y a un personnage du nom de Slim Shady, a.k.a. Robert Lafondu. Non, Stan Lafondu, rien à voir. Robert Lafondu, c'était dans quoi? Robert Lafondu, c'était dans Fatal. Très très bon rappeur également, Fatal Bazooka. Stan Lafondu arrive à Los Santos. Bon, je sais que normalement à Los Santos, ça vit très rapidement du côté de 21h. 21h et quelques. Là, il est un peu tard, mais c'est pas grave en soi. Je suis plus à 3 semaines de retard en vrai. Montre l'autre perso qui t'ont refusé. Malheureusement, c'est ce perso-là qui m'ont refusé, mais il y a eu tellement 3 semaines de décalage qu'ils m'ont pas reparlé de mon perso, donc peut-être ils m'ont oublié. Je sais pas pourquoi il voulait pas ce perso, mais moi je le voulais. Donc je crois Loli il a oublié, les gars. Je crois Loli il a oublié, il m'a appelé, on peut s'appeler et tout. Il a dit ouais non là je suis à la salle. J'ai dit bah pas grave en vrai, la salle, bon youtubeur GTA, je peux rentrer. Il a dit ouais vas-y bah c'est bon, je te whitelist. Mais bon, ça a quand même pris 400 ans. C'est un vrai perso. Comment ça c'est un vrai perso? Robert Stan Lafondu, c'est un vrai perso. Personne ne connaît Stan Lafondu, qu'est-ce que tu me racontes? Slim Shady c'est Eminem, mais non, c'est pas Eminem là. Là vous faites erreur. Là vous vous trompez de rêve, c'est absolument pas Eminem. Bon, peut-être que sur le graphique c'est Eminem, peut-être que c'est vrai dans le jeu j'aurais absolument pas la même gueule parce que je ne sais absolument pas paramétrer un perso. Après j'ai le malheur de vous avouer que mon perso n'a pas encore été créé et que je vais devoir le créer en stream. Ça j'espère que ça va pas prendre trop de temps en vrai de vrai. Mais vous voulez savoir vraiment c'est qui Stan Lafondu? Alors les mecs, j'ai un peu forcé pour rentrer comme vous le savez depuis 3 semaines. Évidemment il n'y aura pas de hors RP, ce qu'on appelle le HRP. Vous savez c'est un truc que Master Snaku fait très souvent. Et moi évidemment je suis un joueur GTRP donc je sais très bien que on ne fera pas de hors RP puisque quand on est dans le jeu, on est dans le jeu, tu vois ce que je veux dire? Stan, c'est un son d'Eminem. Ah bon? Stan, c'est un son d'Eminem? C'est quoi? Je connais pas. Présentation de Stan Lafondu ou pas? Je vais évidemment vous présenter Stan Lafondu, qui n'est pas mon personnage, c'est un personnage. Les gens pensaient que j'allais revenir avec François Pignon, mais non les gars, tranquille. Faut les bonnes blagues, c'est une fois les gars, ça après c'est plus tard. On peut avoir des infos ou... Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux avoir votre attention? Je répète, est-ce que je peux avoir votre attention? Car le vrai Slim Shady, please stand up. Je répète, car le vrai Slim Shady, please stand up. Attention. Ce site n'est pas un site de rencontre. Les mamies sont plus chaudes que vous le croyez, mais ça c'est pas le sujet. Mon nom c'est Stan, Stan Lafondu, et je vais retourner Los Santos. Tout simplement, on m'a volé mon identité, on m'a tout pris. Aujourd'hui, je vais rétablir l'ordre, je vais rétablir la vérité. Qui je suis vraiment? Stan Lafondu. Et ne pensez pas que je suis un babtou révolutionnaire de France. Ma mère s'est mariée avec un connard de français. Ça n'en fait pas de moi un français, je n'ai rien à voir avec ce pays. Moi c'est la street, la rue. Je viens des États-Unis d'Amérique, et je vais aller à Los Santos pour vous raconter mon histoire. Bon, pour être très honnête avec vous, il était très tard dans la nuit, j'étais très exigeant, c'est lorsque j'étais à la page 33 que cette page s'est ouverte. Ceci n'est pas un site de rencontre. Vous aurez besoin de b*** des mamies moches chaque fois qu'elles vous le demanderont. Votre compte sera banni,
Si vous rejetez quelqu'un, cliquez ici pour voir plus de photos de vieilles mamies qui vivent à proximité. Vous êtes d'accord, excitant. Et là, je m'inscris sur ce site de rencontre, bien évidemment, et je me rends compte de quoi. Une grand-mère habite à Los Santos et veut que je la rejoigne. Une grand-mère très très chaude pour m'accueillir. Moi, le problème, c'est que j'ai pas d'argent, j'ai pas d'oseille, j'ai pas de maison. Donc, pour retourner Los Santos avec tout ce que je dois leur dire, parce que j'ai des choses à dire à cette ville, et il y a que cette ville qui peut entendre mon cri d'alerte, il me fallait un logement quand même. Donc, j'ai trouvé le logement de la vieille. Mais bref, ce que vous devez surtout retenir, c'est que Eminem m'a baisé. Voilà, vous connaissez tous Eminem, le rappeur blanc ce qui s'est rappé. Ce mec ne s'est pas rappé, il m'a juste baisé. Slim Shady est né. Et selon la légende, il était sur les toilettes lorsqu'il a eu... Les toilettes de mon cul, ce mec est un menteur. C'est moi Slim Shady, c'est moi qui l'ai inspiré. C'est moi le plus grand rappeur des États-Unis d'Amérique. Eminem, tu te souviens de moi, ton poste annexe a décidé de boycotter du jour au lendemain. C'est moi qui t'ai donné une carrière. Ton personnage Slim Shady, tu sais très bien que c'était moi. Tu m'as tellement tout pris. Mon background, ma story et ma street credibility. Ce genre de bap tout que tu rêvais d'être, que la France a refoulé car ils étaient trop violents. Aujourd'hui c'est l'heure de rendre des comptes. Je reviens prendre ce qui m'appartient, mon statut de rap d'eau. Au début de ce millénaire, Eminem était justement devenu très rapidement un des artistes les plus en vogue de l'époque, notamment par le biais de son personnage Slim Shady. En effet, après avoir essayé un gros flop avec son premier album, c'est moi qui t'ai donné ta DA, c'est moi qui t'ai tout. Et qui est Stan? Stan, ce sera une personne littéralement obsédée par une célébrité, qui ira au point de tout faire pour lui ressembler physiquement, dans le but d'avoir la même vie ou en tout cas de prouver qu'ils sont sur un même pied d'égalité. Cette personne sera tellement omnibulée par cette passion que rien d'autre ne comptera autour de lui. Toi tu fais des mots mais tu fermes ta gueule, elle raconte que des conneries, c'est faux ce qu'elle raconte, n'écoutez pas ce qu'elle raconte, je suis pas un mythomane, je suis pas un menteur. Pardon, la dernière phrase, je suis pas du tout d'accord, hein. Je n'ai rien à voir avec ce mec moi. C'est juste un personnage, hein. S'il est misogyne c'est son dos, hein. C'est pas le mien. Bon, je ne sais absolument pas qui est Stan, mais a priori ce serait le vrai Slim Shady, ce serait lui qui aurait inspiré Eminem, le plus grand rappeur de l'histoire du rap. J'ai pas tout compris. Ah, donc apparemment en fait c'est juste un malade mental. Moi je pense que c'est juste un gros mythomane. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Apparemment c'est lui qui a inspiré Eminem. Je crois que j'ai compris ça comme ça, hein, mais voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation. Et c'est quand la baise avec les mamies moches? Ah, moi je n'ai rien à voir avec ça non plus, hein. Si Stan l'a fondu, va sur Tinder et met entre 60 et 90 ans l'âge recommandé sur les recherches. C'est quand même bizarre. Grosso modo, je pense que Stan l'a fondu arrive en tant que rappeur du coup, parce que si c'est lui qui a inspiré Eminem, qui est un très grand rappeur, ça veut dire que c'est forcément même un meilleur rappeur que lui, on ne sait pas. Slim Shady arrive à Los Santos et on va devoir bien évidemment directement savoir où il crèche, parce que c'est ça le plus important, où il crèche, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et enfin, je sais pas moi, comment il va faire pour survivre à Los Santos. En fait, faut qu'on crée le personnage ensemble, je vous dis la vérité, faut qu'on crée le personnage ensemble parce que c'est un ouf, il a les gros talons à Maïvagenum, c'est quoi, c'est des loup-boutins, ça je reconnais. Bon, les mecs, j'ai besoin de vous, il faut absolument que. Bon, moi, Stan l'a fondu, je le connais pas, mais je le connais un peu. Les gars, c'est un mec qui ressemble très pour très à Eminem, le rappeur des États-Unis d'Amérique, vous connaissez, le seul rappeur blanc qui, à l'époque, c'était le seul rappeur blanc en Amérique, hein, Eminem. Voilà, à l'époque, t'étais blanc, tu pouvais trouver un emploi, mais tu ne pouvais pas devenir rappeur. C'était strictement impossible. En vrai, j'ai juste besoin d'une teinture et un débardeur. Hein. Le reste, je m'en branle un peu, non? C'est bon, il lui ressemble déjà. En vrai, il lui ressemble. Faut juste lui mettre une teinture. Hein. Cheveux, un buzz cut, s'il vous plaît. Slim Shady, vraiment une teinture vraiment pétant. Désolé de pas avoir pu faire ça avant, les gars, mais j'ai appris ce soir à 23h que j'allais être sur le serveur ce soir. Donc bon. Un peu inquiétant quand même. En vrai, ça c'est vraiment la coupe. Vous voyez les vous voyez les petits qui veulent devenir rappeurs dans SOS, ma famille a besoin d'aide. En vrai de vrai, il y a un délire, hein. En tout cas, est-ce que vous pensez que le personnage peut être un banger? C'est ça la question, les gars. C'est ça la question, parce que il y a des gens qui sont très très réticents. On m'a dit clairement le personnage chez on m'a clairement dit tu vas droit dans le mur, mais ça c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on m'a dit tu vas droit dans le mur, mais j'ai quand même persisté et j'ai quand même pris ce personnage. Tant pis les mecs, j'irai droit dans le mur tout seul. Remets la buzzcut. C'est quoi la buzzcut? Il a pas cette coupe. Comment tu peux connaître la coupe de Slim Shady? Personne ne connaît Slim Shady. Slim Shady, les mecs, c'est un rappeur fictif dans l'esprit d'Eminem. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'est pas fictif, il existe réellement. Slim Shady en réalité s'appelle Stan La Fondue. Il s'est fait baiser, il s'est fait scammer son identité par Eminem, le rappeur que tout le monde suce à Hollywood et en Californie, alors qu'en vrai de vrai c'est juste une fraude. Il a volé absolument toute son identité. Il l'a volé à Stan. Ah oui les gars, si vous connaissez pas l'histoire aussi, vous soyez normaux. En vrai, ça fait mec qui va percer dans le rap un peu. Non, parce qu'une coupe de cheveux, ça, c'est quand même très important. Ça identifie quand même un homme, sa coupe de cheveux. Moi, je trouve que ça, c'est très bien. Ça fait très kéké, ça fait très... Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est bien en vrai. Hein. Et la buzzcut, elle est où?
Et celle-là, la buzzcut. Elle est pas ouf en vrai. Mais voilà. Là, on peut choisir plus rapidement. C'était celle-là, les gars. Ok, c'était celle-là. Ok, c'est bon. Bref, en vrai de vrai, ce qui nous intéresse, c'est juste la coupe de cheveux et c'est bon. Le reste, poil de torse. Non, il est imberbe, il est imberbe. Je le connais un peu, il est imberbe. Tim Shady, sourcils. Ah oui, sourcils. Ok, sourcils. Là. Mais des sourcils blonds, c'est dégueulasse. Hein. Faut mettre des sourcils bruns. On peut pas avoir des sourcils normaux, genre, ça c'est normal. C'est quelle couleur les sourcils? Moi, ils sont noirs en vrai, dans la vraie vie. Après, Stan l'a fondu, c'est pas la vraie vie, mais ils ressemblent vraiment à rien, mon perso. De toute façon, on s'en branle. Personne va analyser mes sourcils dans le jeu. Ok, on va dire que c'est bon. Voilà le style. Voilà, c'est ça que je voulais. Moi, je le vois comme ça, hein. Débardeur blanc. Ah, peut-être. Vous savez, Eminem, il a pas changé de flow depuis. Hein. Eminem, il est un peu flow Kamaz, vous voyez ou pas? Un gros sweat à capuche. On mettait vraiment en 2007. Je le vois vraiment Kamaz. Mais en bas. Ouais, c'est mieux de mettre un bas en vrai. Un gros baggy vraiment. Attends, catalogue. Ça, je peux tout voir. Oh non, un froc. Hein. Il a été acheté à Zara, je reconnais, en boycott. Il faut un truc gelard, tu vois. Un truc, on dirait vraiment, il s'est chié dessus. Hein. Ça, en vrai, c'est dans le délire. Hein. Vraiment, un truc comme ça, importable. Mais que les Américains, ils trouvent ça stylé. Ça fait vraiment Jesse Pinkman. Hein. En mode Jesse Pinkman avec des grosses godasses. Magnifique. Ça, c'est les Vans. C'est ça, en vrai, on est d'accord. Gros skater, vraiment. Ah, des Timberland, c'est pas mal aussi. Hein. Timberland, quoi qu'il a du flow. Ok, on est bon. C'est bon, allez, vas-y, c'est parti, on y va. Non, mais c'est bon, en vrai, c'est un mec simple. De toute façon, il a pas d'oseille, ça l'a fondu. Hein. Je vais pas vous décevoir. Les mecs, c'est pas un Rothschild. Bon, ok, nique sa mère, hein. On décide pas, les gars. On décide pas. Bon, les gars, je parle plus avec vous. Moi, je vais jouer, hein. Ah, putain, c'est la street. C'est la street, Babtou. Putain, ici, c'est trop la street. Ça pue la street, Babtou. Eh, je vais leur montrer, moi, dans ce pays, qu'il y a pas que les Renois qui sont stylés, hein. Je vous le dis direct. Il y a pas que les Renois qui sont stylés. Les Babtou aussi, ils ont quand même une crédibilité à avoir. C'est pas parce que, voilà, je connais le rap français, je connais le rap américain. Et le rap français, on est toujours représenté par des mecs chelous, des Roméo Elvis, des mecs vraiment dans des sales affaires. C'est pas que ça, les Babtou. Ouais, il y a quelqu'un. Oh! Me forcez pas à tout casser, je vais tout casser là. Ah, y'a personne. Ah ça va, ils sont équipés à Los Santos. Vraiment des ordi Mac en l'air. Ok, bon y'a personne dans cet aéroport. On dirait on est à Beauvais. Enfin Beauvais, ouais. Je connais un peu la France. J'ai grandi un peu en France rapidement. Quand je me suis fait jeter par ma mère. Ma mère c'était une sope, hein, je vous le dis rapidement. Je vous le dis vraiment rapidement, arrêtez de rigoler. Ma mère, c'est vraiment une tapin. Et en fait, vous voyez Eminem, le vrai Eminem, le vrai rappeur. Le rappeur Eminem, en fait, il dit dans tous ses sons que sa mère est une pute. Et ben, il a tort. Sa mère, c'est pas une pute, c'est la mienne. Voilà, il a même volé la réputation de ma pauvre mère. Enfin, du coup, elle est pas pauvre, hein, parce que c'est marié avec un mec en France. Il s'appelle Lionel Jospin, il a énormément d'oseille. C'est un enculé, mais ça, c'est une autre histoire. Eminem, dans tous ses sons, il a été jusqu'à faire un son, il enterre sa mère. Putain, motherfucker. Mais en vrai, de vrai, il m'a tout pris. Mais le premier mec que je vais rencontrer, je vais lui dire. Oh putain, une vieille! Excusez-moi, c'est vous que j'ai rencontré sur mamie chaude! C'est moi! C'est moi! Stanley! Ouais, excuse-moi! Oh putain! Pourquoi y'a personne? Y'a pas de billage dans cette ville! On m'avait dit que Los Santos était rempli de beach! Oh, après, on verra ça plus tard. C'est pas vraiment le début. C'est pas vraiment comme ça que je veux commencer ma story dans cette ville. Excuse-moi, tu peux me prendre. Enfin, je vais bientôt te prendre, mais tu peux me prendre en stop et je te prendrai après! Ouais, j'arrive! Ah, moi j'adore les granny, moi. Je trouve ça excitant. La vieille! Ça fait deux fois qu'elle veut, ça fait deux fois elle passe. On a jamais vu quelqu'un faire deux fois le tour de l'aéroport de Beauvais. Elle veut. Alors attendez. Mais wesh, mais c'est une ouf! Elle m'a fait un fuck! Elle veut, ça fait trois fois elle passe avec son Touran. Tu vas appeler un taxi, motherfucker. C'est quoi les numéros de taxi dans cette ville? Je sais pas, moi je prends Uber d'habitude. Ouais, genre je suis pas solvable pour un premium de luxe, c'est quoi cette merde? Centrale ne peut pas vous transférer. Aucun récepteur. Wesh, personne bosse dans cette ville ou quoi? Ah, j'ai pas de carte SIM! Ah, je suis trop un bouffon! Ok, dégage le tel. Techniquement, j'ai un peu voyagé dans ma vie parce que je suis un mec de la street, t'as capté? Oh! Salam alaikum! Hey, what's up? Ah ouais, t'es comme sur l'annonce toi. T'es chaude, non? Wesh! Jesus! Ah ouais, la première fois qu'une meuf. Tu veux aussi rapidement? Pourquoi pas? Y'a un mur! On voit t'arrêt! J'ai une dinguerie, on voit t'arrêt! Je suis excitante, hein, le string comme ça là! Comme dirait Jean-Pascal dans la Star Academy, je lui boufferais le string plutôt que le. Enfin. Y'a quelqu'un dans cet aéroport de merde qui peut me trouver une carte SIM? C'est quoi ce bordel? Y'avait un E là, je suis d'accord avec vous! Ah voilà, là! Ok, c'est bon! Ah ouais, ok! Ouais, ok! Non, mais parce que l'aéroport. T'es pas ouf en vrai. Ce soir en ville, il y a de la chatte. Nanana, et sur Snapchat. Mais on part où là en fait? Je viens d'arriver, je repars déjà. Moi je suis un mec comme ça. Et c'est vous m'avez dit faites eux. Vous êtes con ou quoi? Vous m'avez dit faites eux. Putain, on retourne au bled. Oh non. Putain, survivor RP. Tu te fous de ma gueule. Ils m'ont donné un régular en plus, c'est dégueulasse. Et ma street crédibilité dans tout ça. J'ai rien fait. Vous m'avez dit appuie sur eux. J'ai appuyé sur eux. Oh non, j'ai fait une connerie. Arrêtez, j'ai pas fait une connerie. Non, non, je veux partir. Je veux partir. Ok, l'avion il est là. L'icône de l'avion est là. Ok, on repart. Ouais bon, j'ai perdu mes cheveux mais c'est qu'un détail. Bon, logiquement, où est-ce qu'on trouve une carte SIM dans un putain d'aéroport? Ok, salam alaikum. Ah non, c'est une banque, j'ai pas de flouze, désolé. Mais bon, j'ai retrouvé mon apparence de bad boy. Les fringues, on s'en fout.
toute façon, j'ai pas de tal. Peut-être que je sortirai jamais de l'aéroport en voyant un film comme ça. Excuse-moi, gras double. T'as pas un peu d'argent pour moi? Mais comment tu peux l'éviter avec un poids pareil? Tu défies les lois de l'attraction, là. Bon, je vais me débrouiller par moi-même, hein, pas besoin de carte SIM. Comment ils faisaient, les hommes préhistoriques? Ils avaient pas de carte SIM. Tab, inventaire. Tab. Ah, il est là. Ok. Oh, j'ai rien dans mon sac, c'est une dinguerie. Ah oui, oui, un GPS, c'est ça qu'il me faut. Un GPS. Utilisez le GPS. C'est ça, non? Ah, attendez, je regarde un truc, 2 secondes. Prendre mon vélo, des vélos en l'air. Olé! Des vélos en l'air! Oh, attendez, parce que. Ouais, non. Ah non! Aïe! Ok, c'est bon. Je ride en vrai. Ok, je ride. Maintenant, faut que je trouve l'adresse de la vieille parce que je dois vous rappeler que mon nom c'est Stan. Si je suis à Los Santos, c'est pour une raison très précise. J'ai flashé sur une vieille. Enfin, en fait, j'ai surtout flashé sur sa baraque parce qu'elle me l'a snappé. Elle m'a envoyé quelques nudes, quelques snaps violets, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est sa baraque. Franchement, elle avait une baraque pas mal. Je me suis dit que ça me permettrait d'arriver dans la ville dans de bonnes conditions. Donc, ce que je fais, c'est que dès que je vais trouver sa baraque, en fait, je vais attacher du truc. Ou alors, je vais signer un contrat de viager avec elle, un truc du genre. Putain, mais la photo que j'ai, l'adresse que j'ai. En fait, elle m'a envoyé une adresse, mais j'ai screen les nudes, mais pas l'adresse. Ok, c'est là. Super. Ah, voilà, j'ai tout compris, hein. Je pense que même Loli, la première fois qu'il a joué à GTA, il a pas été aussi vite dans les cartes. Ah, ok, les gars, c'est parti. Ouais, les gars, putain, mais c'est quoi cette ville de con, sérieux? Eh, je ressemble vraiment à Eminem, mais c'est lui qui m'a baisé. Il m'a volé mon identité, en vrai. Ah, putain. Chier. Je fais même bolos par les vélos, c'est quoi ce bordel? Ok, je t'entends que tru. J'aurais vraiment dû. Ça va, c'est qu'à 2 km, je pédale dur, moi. Pour le coup, j'ai pas la pédale douce. J'ai la pédale vraiment très très dure. On dirait Alberto Contador, vraiment, sur son dernier Tour de France. Je me suis trompé de voie. Vas-y, saute, sois normal. Voilà, c'est un BMX qui fait des sauts. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi je prends l'autoroute. Ah, en vélo, j'en ai rien à foutre, t'as vu la taille de mes triceps? On a le droit d'être en BMX sur l'autoroute, je suis normal. Le plus important, c'est pas... Ah, feu orange, merde, pardon. Prochaine fois, je m'arrêterai. Oh, attendez, faut que je descende de mon bike. Alors, attendez, sur la carte. Et la vieille, elle était... Le repère, il est là. Attends, le stade de foot, il est là. C'est pas du tout à côté, là. Non, je vais reprendre mon vélo parce que je vais en avoir besoin encore. Putain, j'ai oublié. Attends, bah se fout de ma gueule. Pas la maison à P. Diddy ici. Putain, j'ai oublié le lubrifiant. Pas besoin de me parfumer, je pourrais pas plus puer le vieux. Quel... Bonjour. Ouais, bonjour. Y'a pas de sonnette. Je vais devoir rentrer par effraction. Y'a personne, hein. Je reconnais, m'envoyer des nudes sur ce canapé là à droite. Bon, bah, on va voir si on peut lui voler de la thune, hein. De toute façon, les vieux, ça compte pas. Bah, mais elle se fait pas chier, la vieille, elle fait même pas à bouffer. Quoi, ce bordel? Hein? Pêche? Gingembre? Clairement, le... Une bite et un cul, là. Ok, les chiottes sont fermées. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet appart? C'est pas une décoration de vieille, ça? Je comprends rien, là. Je suis pas au bon endroit, je crois. À moi que tu parles. À moi que tu parles comme ça, oui. T'as de la chance, j'ai pas encore de calibre. Ça ne serait tardé. On m'a donné une adresse, y'a personne. Normalement, y'a quelqu'un. Ouais, tête de bite. C'est toi qui crie depuis tout à l'heure, là. Mais t'es qui, toi? Toi, t'es qui? Tu cherches avec ta grosse tête blonde, là. Eh, me sauve pas, mon pote, tu sais qui je suis? Eh, attends, t'habites là? Ah oui, j'habite là. Qu'est-ce que tu veux? Tu connais donc la vieille qui habite à côté? Non, y'a pas de vieille ici. Et bien sûr que si, je l'ai rencontrée sur. Je l'ai rencontrée sur mamichaude.com. Fous de ma gueule, là. Ah non, je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle pouvait me crécher, je pouvais crécher chez elle ce soir. Y'a pas de vieille ici, moi j'habite là, le mec à côté, c'est un gros Renoir. Et c'est une chinoise là-bas, mais elle est pas vieille. Bon, ok. Tu veux rentrer chez toi? Tu veux avec ton gros Bermuda là. Tu veux quoi? C'est pas un Bermuda, c'est un baggy. Eh hey, toi, tu connais pas les rappeurs, comment ils s'habillent? Je connais peut-être pas les rappeurs, mais sachez que c'est un gros pantacourt, hein, c'est pas un baggy là. Mais tais-toi, d'où tu sors avec ta tête là? J'ai un ovni. Ah pardon, pas fait exprès. Wow. Bah pardon. Allez, je m'excuse, viens boire un verre. Enfin, t'invite à boire un verre chez toi, t'es chaud? Mais comment ça? T'habites où toi déjà? Et j'habite chez toi maintenant. Mais tu viens d'où? Ouais, je viens de très loin, c'est une longue histoire, frérot. On est frères maintenant, toi et moi. Tu ne le sais pas encore. Je sais pas si je te fais rentrer chez moi, ta tête, là, on dirait que t'as du fromage de tub, toi. Comment ça, du fromage de tub? Sûr, tu nettoies bien et tout. Mais je nettoie quoi? Vas-y, rentre. Je suis circoncis, moi. Je suis musulman. Vas-y, assieds-toi. Vas-y, je m'assois. Il est sympa ton appart. Ouais. Comment je m'assois? Enfin, ouais, je m'assois. Comment tu t'assois? Je suis tranquille. Ouais, il est sympa ton appart, t'habites tout seul? Ouais, j'habite tout seul, ma femme elle s'est tirée comme ça. Ah bah c'est normal, y'a que des putes dans cette ville. Toi aussi tu penses comme ça? Bah je pense comme ça, on m'a dit que c'était une ville à bitch. T'as jamais vu autant de temps au mètre carré, frère.
Ah ouais? Vas-y, arrête de me coller là, va t'asseoir. Ah, frérot, je te colle pas, je cherche juste comment m'asseoir là. Tu t'assois sur. Quoi? Tu t'assois sur le canapé, c'est ça? Ouais, ouais, sur le canapé. Ouais. Avec quelle lettre ton canapé? J'ai un mal de gorge. Ouais, pardon, je m'excuse. Désolé, je voulais pas t'importuner chez toi, je te dérange pas. Non, c'est bon, vas-y, baisse la main. Ah, ok, pardon. Non, mais je croyais, parce que t'as vu, nous, dans nos ghettos, dans nos quartiers, on a l'habitude des violences policières, alors on montre direct nos mains pour pas nous faire tirer dessus, tu comprends, les bavures, c'est si vite arrivé. Mais quel ghetto, là? T'as une tête à venir de Farmsville, tu me parles de ghetto. Eh, frérot, t'es bloqué au Moyen-Âge ou quoi? Les Blancs, en 2024, on a le droit d'avoir une street cred. Ah ouais, si tu veux. Bah moi je t'en empêche pas, hein, si tu veux une street cred. Frérot, j'ai vu. Faut prouver, hein, pour avoir une street cred. Mais t'inquiète pas, quand je vais te raconter mon histoire, tu vas tout comprendre et c'est toi qui vas lever les mains pour t'excuser. Vas-y, raconte-moi ton histoire. Non, mais d'abord faut que je m'assoie parce que c'est long. Ouais, assis-toi parce que là tu me casses les couilles. T'as snap? Ouais, j'ai snap. Tu peux me dire de m'asseoir sur snap? Enfin, tu peux aller sur snap vite fait, j'ai une meuf pour toi. Frère. Appuie sur virgule. Frère, la virgule de Ronaldinho, ouais, j'aime bien. T'as vu, Ronaldinho, les virgules qu'il mettait, elles étaient limpides. En fait, Ronaldinho, il jouait en QWERTY. Genre, tu vois, là, sa paire de pompes, elle était en ouais. QWERTY, ça veut dire la virgule est pas la même dans les différents championnats. Ah ouais, je vois le truc. Bah, en vrai, frérot, si tu me laisses me mettre debout sur ta table, c'est vraiment. Ça me mettrait dans les meilleures conditions pour te raconter ma vie parce que j'ai un background. Malgré que je sois un babtou, je suis un babtou révolutionnaire, comprends ou pas? T'as vu, je vais te laisser t'asseoir. Eh hey frérot, ton... Quoi? Ah, ton canapé. Attendez, j'ai... Non, rien, attends, j'ai entendu une voix dans mon crâne qui m'a dit d'appuyer sur M. Enfin, de... Ouais, bref. Vas-y, assis-toi, frérot. T'es chez toi, là, mets-toi à l'aise. Oui, je suis bien à l'aise, hein. Ouais, voilà, là, je suis à l'aise avec mon bang. Je suis à l'aise avec mon bang. Là, c'est parfait pour te raconter ma story, pour te raconter mon histoire. Eh, hey, tu sa mère, la dernière paire de requins, mon frère. T'as vu ou pas? Ouais, t'aimes bien ma paire de team ou pas? C'est pas que j'aime pas, tu vois. Mais on est plus. T'as vu, c'est un peu 2006 ton flow, tu vois. Quand 50 Cent, il a sorti The Massacre. Mais frérot, de quoi tu parles de 50 Cent? 50 Cent, c'est un gars à moi, je l'ai connu. Tu le connaissais même pas encore. Il était tout public, il était pas public. Vas-y, raconte. Frérot, j'en ai marre que dans les séries, à la télé, etc., on catalogue les blancs comme si tous les blancs ressemblaient à Jesse Pinkman et on fumait dans des bangs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que ça, les blancs. Ouais, moi après, y a pas que ça dans les films. Les blancs, ils sont bien représentés. Ah bon? Ah, toi, tu veux me dire genre dans les films de gangsters? Voilà, exactement, t'as tout compris. J'ai l'impression que la télévision essaie de nous faire passer pour des mecs pas virils, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Tu trouves que je suis un mec viril ou pas? Dans la position hôtel, là, tout de suite. Je pourrais pas dire, mais franchement, faut que tu me racontes ton histoire pour que je me fasse une vraie idée. Frérot, déjà, j'ai pas envie de raconter mon histoire à un mec qui a des peintures avec des vaisseaux spatiaux. C'est quoi ces conneries, vraiment? Quoi, tu veux que je t'explique? Ouais, je veux bien que tu m'expliques c'est quoi cette déco. Tu connais le mont Chiliad? Le quoi? Bah, tu vois, le mont Chiliad. Ouais, non, je connais pas. C'est le mont qu'on peut trouver là, un peu plus haut de Los Santos. Ouais. Bah, sur ce mont, c'est pas compliqué en fait. À l'intérieur, t'as plein de réseaux électromagnétiques. Et en fait, tu vois, l'œil là qui contrôle tout, en fait, en haut, c'est lui qui nous dégage les ondes et nous rend complètement tarés, tu vois. Comme tu peux voir sur la dernière photo, la deuxième. Et la deuxième, c'est le Yeti. Ouais, c'est des humains transmodifiés, en fait. Transsexuels? Non, c'est du transhumanisme, c'est presque pareil. Et c'est remboursé par les sécu, ça aussi? Pas encore, mais bientôt. Ah d'accord. Tu connais Eminem? Qui? Eminem. Eminem! Ah ouais, le blanc? Bah ouais, Eminem il est blanc à la base. Ouais. Mais c'est pas. C'est vrai qu'il y a t'as un petit air quand même. Je sais pas si t'as fait exprès avec la teinture et que t'es un gros pompeur, mais c'est vrai qu'avec le petit débardeur et tout. Gros, quand je vais te raconter mon histoire, tu vas tomber sur le cul. Ah, assis-toi parce que sinon ça sera trop tard. Eminem, c'est pas celui que tu crois, mon pote. Eminem, ce genre de babtou révolutionnaire. Un babtou qui sait rapper, qui sait chanter. Un gangster! En vrai de vrai, c'est faux. Il sait pas chanter et il sait même pas s'habiller en plus, Eminem. Je sais pas si t'as vu son flow. Ouais, j'avoue, c'est pas sa bille. Non, voilà, on est d'accord. Et ben, il s'est pas rappé non plus. Un peu comme toi, quoi. Non, mais moi, je sais m'habiller. C'est juste que. Il m'a pompé mon flow vestimentaire. Donc, ça le rend bizarre. Mais j'ai pompé personne. Hein. Ouais, ok. En fait, Eminem, connais Slim Shady, le personnage qu'il a inventé hein, dans ses clips, ouais. etc. Ouais. Et ben, en fait, c'était moi, Stan. Connais la musique Stan? Avec Dido. Ah, le mec qui s'est foutu en l'air là. Histoire de... Donc toi, non, t'es Stan toi. Bien sûr que je suis Stan. C'est moi le mec qui envoyait des lettres à Eminem. Sauf qu'il a remixé l'histoire. En fait, c'est un mytho. Eminem, au moment où j'ai commencé à lui envoyer les lettres et lui dire c'est moi Stan, c'est moi ton ami Stanley, en fait, je lui ai envoyé toute ma recette pour qu'il devienne une superstar. J'ai eu une relation épistolaire et sexuelle avec Eminem dans les années 90. Non, mais épistolaire ou sexuelle? Parce que les deux, tu peux pas. Ça a d'abord été épistolaire et ça a été sexuel après. Et d'ailleurs, si tu peux chercher hein, sur internet, tu mets sur ta télé,
télé, elle a le CarPlay là. Enfin, tu sais, tu peux aller sur YouTube et tout avec ta télé ou pas? Ma télé, il y a pas le câble là. Ah, ok, d'accord. T'as pas le câble HDMI? En fait, là pour l'instant, j'ai débranché tous mes appareils. Ok, d'accord. Okay, non, bah, j'ai cru que t'étais un agent des services secrets en arrivant, mais vu que je suis pas du tout des services secrets, c'est moi Stan Lafondue. Non, mais ta gueule de con, j'ai compris que t'étais pas des services. Ah bah voilà, je suis pas du tout secret, encore moins des services. Mais par contre, mon histoire elle est secrète parce que quand j'ai entretenu une relation épistolaire qui s'est avérée par la suite sexuelle et homosexuelle avec Eminem de son vrai nom Marshall, voilà, parce que son vrai nom c'est Marshall, hein, c'est pas Eminem. Eminem c'est un nom de scène, c'est comme Johnny Hallyday, son nom de scène c'est Johnny Hallyday, mais en vrai de vrai tu sais comment il s'appelle? Comment il s'appelle Johnny? Parce que j'ai jamais su moi. Il s'appelle Jean-Philippe Smet. Schmet? Jean-Philippe Schmet? Non, Jean-Philippe Smet. Ah, Smet. T'es un fou frère, c'est une légende en France, hein. Johnny Hallyday c'est pas une Schmet. Non mais je... Bref, la finalité de cette histoire c'est que Eminem c'était... On a grandi ensemble, j'ai grandi avec Marshall, t'as capté? Sauf que en fait c'est moi qui lui ai donné l'idée du personnage Slim Shady. En fait il a repris la personnalité de Slim Shady, c'est-à-dire moi, et il en a fait des hits. Sauf qu'il ne m'a jamais crédité dans les scènes de fin, tu vois ou pas? Il m'a rien donné, même pas un. La mise à l'envers, en fait. En fait, ce serait un genre de complot, ce que tu me dis. C'est faux, parce que les complots, ça sort tout droit de l'imaginaire de pauvres barjots qui sont enfermés dans leur appartement avec des cadres et des vaisseaux spatiaux. Moi, je te parle d'un vrai truc qui s'est passé. Un vrai truc. Ça s'est passé comme ça. Eminem est une fraude. Eminem ne sait pas rapper. Il ne rappe même pas plus vite que Ace MC. Tu peux vérifier avec ta télé CarPlay, tu verras. J'ai raison. Je t'ai dit, y a pas le CarPlay là. Ah oui, merde. Mais tableau, c'est pas de la connerie. Hein. Tu sais, je peux t'emmener au Mouchiguette, je vais te montrer des trucs. Tu vas halluciner, mon pote. Ouais, bah, on ira au mont. Là, je peux pas t'emmener parce qu'ils ont mis un mur. Il y a un mur géant qui nous empêche d'aller au Mouchiguette. Tu crois que c'est pourquoi? Tu te poses pas un peu des questions, toi, des fois? Bah, si, je me pose Tu te poses pas de questions avec ta teinture de con, tu penses qu'à Eminem. Et je pense pas qu'à Eminem, arrête de dire que c'est moi, Eminem. Non, mais ok. Tu sais quoi, je te crois. Parce que c'est un complot. Et merci. Moi, je crois au complot. Merci, mais c'est pas vraiment un complot, hein, parce que c'est vraiment la vérité, moi, ce que je te dis. Non, mais un complot, c'est vrai. Ou t'as vu que c'était faux? T'as trop écouté les infos, mon pote. On t'a pissé dans le cerveau. Tu veux dire que tout ce qu'ils disent à la télé, c'est faux? Évidemment que c'est faux. T'écoutes Weasel News, toi? Non, j'écoute absolument pas Weasel News, ils racontent que des conneries. T'as pas vu moi, qu'ils ont... À Weasel News, je me bouche les oreilles. Ah bah t'as bien raison, ils ont interdit le port de la baïa là récemment. Je sais pas si t'as vu. Le port de quoi? De la baïa. C'est où ça? Le port Ah, c'est un port en Belgique ça. Non, Amsterdam. Ils l'ont fermé le port. Ils ont fermé le port de baïa, ouais. Rien à voir. Ah mais tu vois quand je te dis qu'il se passe des trucs de dingue. Moi je suis pas Eminem, je suis Slim Shady. Mais tu viens pourquoi? Parce qu'il est pas à Los Santos, je crois Eminem. Pas moi je suis venu à Los Santos pour prouver que c'était moi le vrai rappeur de Los Santos. T'es plutôt venu pour une grand-mère. T'es une grand-mère chaude, tu crois? J'ai oublié ce que tu m'as dit, espèce de pervers dégueulasse. Ah non, mais c'est pas ce que tu crois. Mamie chaude, c'est une page qui a pop sur mon écran, j'ai pas pu la skip. Connais, c'est ces vidéos de 5 secondes avant de se branler. On peut pas passer, j'ai pas pu la passer. Et malheureusement. Ah, mais je vois très bien quel genre de pub. Et cette pub t'a emmené jusqu'ici, tu viens d'où en vrai? Dis-moi, tu viens d'où? Arrête de me dire le ghetto, de quelle ferme tu viens? En vrai, récemment j'étais en Gaule, je sais pas si tu connais, mais je suis parti parce que ça allait être la merde là en Gaule. Ils commençaient à avoir des problèmes avec la Russie, etc. Moi, je suis pas dans ces complots là. J'ai pas envie que la guerre s'abatte sur la Gaule. Du coup, j'ai préféré foutre le camp, quoi. À la base, moi, je suis un mec de Détroit. Je suis né dans la même ville qu'Eminem, hein, je te rappelle. On a fait nos classes ensemble. Elle a pas fait de classe parce que c'était un cassos. Non, mais je comprends bien. Et si tu veux d'autres infos sur Eminem, j'en ai tout un tas à te donner. Hein. Je peux même te dire combien mesure le chibre d'Eminem. Non, mais ça c'est pas intéressant. Ah oui, non, pardon. Après, j'avoue, dis toujours en vrai. Et ben, franchement, c'est une dinguerie parce que il a un micro pénis. C'est-à-dire. On parle de combien, hein, sur l'échelle de la règle MAPED, il a vraiment 3 cm entre les jambes. Et aucun rappeur. Imaginez demain, on apprend que le roi du rap américain a un micro-pénis. Micro-pénis. Eh ben c'est... il est fini, mon pote. Mais pourquoi tu fais pas un diss track? Un diss track, c'est-à-dire un album? Non, un son où tu te fous de sa gueule. Un son où tu dis micro-pénis avec un peu de chance. Et frérot, je suis venu à Los Santos aussi pour ça. Les meilleurs studios sont ici, mon pote. Je connais un beatmaker du nom de Lil Nas Kid. Il a un studio à me prêter pour enregistrer des sons. Lil... Ouais, ok. Bon, vas-y, lève-toi, t'as mis une odeur de fromage ici. Frérot, arrête avec le fromage, je t'ai dit que j'étais musulman, je suis circoncis. Vas-y, lève-toi et pose le banc. Ah ouais, pardon. Viens, on sort. C'est quoi, c'est cuir? C'est quoi, c'est cuir, sérieux? Ça, c'est quand je vais dans mes enquêtes. Les enquêtes de quoi? Complot et tout, quand j'enquête sur les complots, je mets un cuir. Non mais attends, t'es vraiment complotiste? C'était pas une blague? Non, c'est pas une blague. Et t'es complotiste depuis quand? Je suis complotiste depuis une date qui a marqué l'Amérique. Vas-y, avance. Une date qui a marqué l'Amérique? La sortie du premier album de Eminem? Non, tout le monde s'en branle de ça. Ah, pas vraiment, parce que moi je parlais beauf comme toi. Je peux te dire, quand Eminem a commencé à péter, j'ai vite compris que je m'étais fait baiser, hein, mais ça c'est qu'un détail. Eh, viens, on le raquette, non? Faut que j'augmente ma street cred. Viens, on croira jamais que c'est moi, Eminem. Eh, tu savais que Eminem. Ah, attends, tu fais quoi? Ah, monte dans la voiture, on va faire un tour.
Frérot, t'as pas une meilleure caisse là? Moi je monte pas là-dedans. Ma gueule, c'est une Blista compacte. Et frérot, tu sais que si tu vas voir une meuf dans la rue en 2024 à Los Santos, cette voix avec cette voiture, elle monte pas. Mais t'es pas une meuf alors. Frérot, une fois, je suis arrivé, j'étais avec une meuf, GT63S, bim bam boum sur la marina, j'arrive, la meuf elle me dit quoi? Moi, pas ouf ta voiture. Salope, pardon. Tu l'as pas insulté? Si, salope, j'ai dit. Ah bah c'est bon, je monte. GT63S, tu te rends compte, c'est une voiture de fou, frérot. Franchement, c'est une voiture de fou. On est dans du la voiture de luxe. Mais Los Santos, c'est une ville comment? Je connais pas, moi. Los Santos, c'est une ville comment? Ouais. C'est une ville comme une autre, quoi. Il y a des meurtres, des buts, de la drogue. Il y a tout, quoi. Mais... comme les autres villes, tout pareil. Du coup, est-ce que c'est une ville de fou? Ouais, ça dépend pourquoi, mais ouais, généralement, je dirais que c'est une ville de fou. Et toi, excuse-moi, à part être dans le complot, tu fais quoi de ta vie, là? En ce moment, j'ai eu un problème. Je me suis fait virer de mon job. Ah. Du coup, pour l'instant, je suis un peu au chômage, tu vois. Parce que moi, j'ai des petits blèmes pour crêcher ce soir, donc si tu peux me dépanner au moins ce soir. Ouais, je peux te dépanner, mais faut payer, en vrai, je crois. Payer comment? Bah, avec de l'argent liquide, quoi, du cash. Le cash, je le récupérerai quand j'aurai fait mes sessions studio avec Lil Nas Kid, t'inquiète, c'est prévu. Tu me fais une avance? Combien de temps d'avance? Quelques jours, pas plus. Tu conduis vraiment comme une gonzesse, hein, si je peux me permettre. Là, je devrais en faire un son, ça. Je conduis comme une gonzesse, je sais pas faire de créneau, je conduis comme une gonzesse. Mon ex, c'était une gonzesse. Ouais, qu'un petit instru, faut l'imaginer qu'un instru. Hein. Ah, tu t'es fait Eminem, tu m'as dit ton ex, c'était pas une gonzesse. Quoi, je me suis pas fait Eminem, c'est juste que c'était t'as un bon... T'as dit relation épistolaire... Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Si tu suis vraiment, tu vas sur YouTube, tu trouves l'interview où Eminem dit qu'il est homosexuel. Ah bon? Ah oui, tu t'es pas au courant? Non, pas du tout. Bah, je te le dis, tu iras vérifier, c'est pas un complot. Envoie-moi le lien. Ouais, je t'enverrai le lien. Tu conduis vraiment comme un pied. Tu vois, Eminem, dans ses sons, il disait que sa mère c'était une pute. Et ben même ça, il me l'a volé. C'était faux. C'était faux, sa mère c'est une meuf super bien. Elle lui achetait des règles MAPED et tout. C'est vraiment super. Elle faisait les fournitures scolaires, tout bien propre. C'est avec ces mêmes règles MAPED qu'il a su qu'il avait un micro. Micro pénis. Exactement, tu comprends vite, hein. C'est ça que j'aime bien avec toi. Moi je suis complotiste, donc je comprends tout vite. Non mais c'est pas un complot ce que je te raconte, Eminem m'a baisé. À l'époque, il y avait pas de droit d'auteur. Tu crois qu'il a pas comploté pour te baiser, mec? Ouvre les yeux sur l'Amérique, tout n'est que complot. Et du coup, c'est quoi la date qui a marqué l'Amérique? J'ai pas bien révisé mon histoire. 9/11, bro. 9/11, le 11 septembre. Ce 11 septembre. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre, bro? Eh ben justement, il s'est rien passé. Tu savais que Swagman rappe mieux qu'Eminem? C'est juste la société qui a essayé de nous faire croire le contraire. Mais si tu regardes bien, Eminem n'a jamais sorti le son Black Card. J'ai jamais écouté ça. Tu veux manger quoi? Tu veux boire des quoi? Baby, j'ai ma Black Card. Ah j'ai reçu un message, putain, c'est sûrement la vieille. Et t'as pas compris, la vieille, c'est un mytho. Tu lui as déjà envoyé de l'argent à ta vieille là? Ouais, elle avait besoin de 2-3 virements, ouais, parce bah qu'à voilà, part... c'était un Soudanais, cherche pas, y'a pas de vieille, mon pote. Comment ça, y'a pas de vieille? Y'a pas, y'en aura jamais. Et si, parce qu'elle m'a dit, il me faut... C'est un Africain qui t'a... tout simplement scam. Non mais toi t'es trop dans les complots, faut arrêter tes complots, ça existe pas ça. T'es en train de dire qu'il y a des Africains dans des cybercafés qui torsionnent les Européens? Mais exactement. Ça se tient en vrai. Et tu comptes aller où là? J'en ai marre. Je sais pas, faut que je regarde ce qui se passe là. Mais du coup il s'est passé quoi le 11 septembre? Il s'est rien passé du coup. Ah si, en les fait... tours jumelles se sont effondrées. C'est Al-Qaïda et on aurait entendu à la Wakbar. Non mais c'était faux. Non c'était pas faux, j'ai entendu à la Wakbar de chez moi. Et t'habitais où à ce moment? Dammartin en Goël, mais c'est en France, c'est là où Lionel Jospin habite. Que ma mère sortait avec Lionel Jospin, un politique très connu en France. Vas-y, ok. Tu connais la France? Je suis français. Oui, je suis français, croissant, vas-y, sors de la voiture. Baguette, croissant, Zidane. Wow, y'a de la bitch ici. Bien le bonsoir. Salut. Vous proposez quoi, chef là? Alors, je t'écoute, qu'est-ce qu'il te faut? Je veux qu'il y a un truc puissant. Un truc puissant? Non, pas la drogue quand même. Ouais, je veux m'arracher. Si, le cannabis, monsieur, ça a été légalisé dans notre c'est pays. Légal. Ah bon, c'est légal, non, le cannabis? Il est pas au courant, il exactement. Vient de la faire. Mais faut arrêter de lui donner du cannabis, il voit des extraterrestres partout. Il voit des extraterrestres partout, mon pote. Ah ouais? Ouais. Bah là il va en voir beaucoup plus, hein. C'est moi c'est qui te le dis. C'est des bangs ou c'est alors, des godes? Monsieur, on passe pas derrière le comptoir. Ah pardon, excusez-moi. Alors on a la White Widow si vous le souhaitez, consommer en journée ou en soirée. Tu vas pas fumer cette merde, bro. Mais monsieur, il a pas encore testé, c'est pour ça qu'il parle. De moins de la banane Kush Cake à 150 $ le grams. Ah ouais, on a la Jamaican Pearl si tu le veux. Ah Jamaican, vas-y, le nom. Les deux, allez les deux. Mais non, pas les deux, une seule. Une seule. Vas-y, Jamaican Pearl. Allez, ça.
Et pour monsieur? Moi, c'est la sobriété. Soyez sobre, SBR, soyez sobre. Vous êtes sûr, hein? Vous voulez pas tester? Il y a une première à tout, monsieur, vous le savez. Non, désolé, je préfère être sobre. Y a pas de souci. Mais achète de la beuh, c'est pour... Tu crois que je t'emmène ici pourquoi? C'est pour ta street cred, mec. Sors et fume de la beuh devant les mecs, ils vont se dire quoi? Ouais, fume de la weed, ce mec est dangereux. Ah ouais, c'est vrai. Hey, bro, je veux de la weed. Oui. Donne-moi de la toute la weed que tu veux, je veux devenir la plus grande serviette droguée de la planète, je veux être serviette ski. Ah ouais, tu veux tout tester? Ouais. Ah ouais. C'est toi la serviette, donne-moi un peu de White Widow s'il te plaît. Vas-y, on part sur la White Widow. Pourquoi t'as parlé comme une... Parce que je suis défoncé. Ah bah, arrête de parler comme ça. Et je suis défoncé. C'est la mélodie de Funky Town. Et toi, t'en penses quoi des rappeurs américains noirs? Moi, je pense qu'ils sont surcotés. Bah, ça dépend, il y en a des très bons. Moi, je mets un pavé dans la mare, je le dis. Qui est très bon? Bah, je sais pas, il y en a beaucoup. Pourquoi toi, pour toi, les rappeurs blancs sont meilleurs? Évidemment. Mais y'a qui comme rappeur blanc à part Eminem? Y'a moi, Stan. Mais tu sais qu'Eminem c'est un clone. Ah bon? Oh ouais, le vrai Eminem il existe plus, ça fait un moment, il s'est fait buter. Hein. Maintenant c'est des clones qui se contentent de jouer de son image pour gagner de l'argent. Ah, y'a Joël Postbad d'Ivoirien là-bas. Alors, une banane à cash pour monsieur, c'est ça? Ah, elle est longue cette drogue. La facture, monsieur, voilà, il y a le terminal de paiement. Et monsieur, vous dormez bien la nuit avant de cette merde aux gens? Bien évidemment, je dors sur mes deux oreilles. Ah bah, ça va alors. Et le tabac c'est tabou, hein, on en viendra tous à bout. Bah, exactement. Bon, monsieur, là, vous payez pour lui ou. Vas-y, on caisse là. J'ai rien payé pour lui. Ah si, okay. Si, il paye pour moi, c'est un frérot. Eh, t'as plus d'argent que moi, j'ai pas de sous. Payé là. Allez, et White Widow pour monsieur. Merci beaucoup. Vous pouvez en profiter sur les canapés, y'a pas de soucis. Hein. On va aller fumer ça en public. La porte d'entrée, besoin, c'est légal en vrai. Il a besoin de renforcer sa street cred. Ah ouais, faut qu'il fume ça en public. Ouais. Bah, faut... écoute là, pour renforcer sa street cred, il est dans le parfait quartier. Hein. Allez, salut. Ouais, il va pas aller se faire enculer le drogué là. Eh, hey, en vrai de vrai. C'est ta bagnole ça? Oui, c'est ma bagnole. Et y'a une gonzesse qui t'est rentrée dedans? Ah merde, j'ai pas vu. Ah oui, regarde à gauche. Tu l'as vu la gonzesse? La gonzesse, je l'ai pas vue, mais c'est forcément une gonzesse. Comment ça? Je comprends pas. S'il y a accident de voiture, c'est forcément une gonzesse. Je conduis vraiment mal par contre. Hey, excuse-moi, c'est quoi ton nom? C'est Neville. Neville? Comme Neville Londubat, Harry Potter. Ouais, comme Neville Londubat. Ouais. Ah, le nom a chié, mais bon, tu l'as pas choisi, ou alors peut-être que c'est un complot. Ouais, tu t'appelles Stan, c'est vraiment pas mieux. Bah, désolé, mais Stan, c'est l'un des sons qui a le plus marqué dans les charts. Hein. Ok, bon, allez, moi je vais fumer un peu de beuh. De temps en temps, je fume la beuh. Le bédo me fait mal au crâne. Oh putain de merde! Mais c'est quoi? Ouais. On n'a pas le droit de fumer, c'est l'oli, oui, je crois. Ouais, c'est de la bonne ça! Tu m'entends, Stanley? Non, je t'entends plus! Allô? Hey, je suis là! Ouais, désolé, ça m'a envoyé loin ta merde là! Ouais, oh putain! Mate la nana! Où ça? Là! Oh. Tu l'as vu la nana? Ah ouais, elle veut de fou. Eh, franchement, c'est... Ah, mais c'est un Lorient, là. Wow! Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait des trucs que je pourrais même pas te raconter. Mais c'était rapide. T'sais, même j'écrirais un livre, je pourrais pas tout expliquer dans ce livre. Hop, pourtant, ça avait l'air rapide sur le papier. Bonsoir. Ouais, bonsoir. On est fermé ce soir, monsieur, faut revenir la semaine prochaine. Ah, ok, mais c'est mon pote, il a un problème avec sa bite. Ouais, c'est ce que je vois. Ah, en tout cas, bon. Si jamais vous voulez passer un petit moment avec une femme, c'est 2000$. Ah, 2000$, j'espère qu'à ce prix-là, elle fait tout. Hein. Non, on peut voir les modèles ou pas? Ouais, venez. Après, c'est comme un garage, hein, on peut regarder. Et tu me colles de fou. Hein. C'est quoi cette décoration? Il y a une tension entre nous là. Je vais dormir chez toi, Babtou. Je pense que tu veux dormir chez moi, reste à l'écart. Mais je crois, un mec avec un manteau comme ça, on peut pas lui faire confiance. Hein. T'es pas la meuf dans la cage? La meuf dans la cage? C'est légal ça? Oh. Et elle danse même quand il y a pas de client. Mais c'est vraiment des C'est quoi cette dinguerie? Pourquoi elle est enfermée dans une cage? Viens, on retourne avant qu'il nous tire dessus. Attends, on peut regarder, merde. Eh, viens voir le tatouage de fou! Eh, tu fais quoi? Je t'attends. Mais t'as pas vu le tatouage de fou qu'elle a? Ah ouais, pardon. Je viens un peu visiter, désolé. Ouais, venez, je peux ramener dans... Non, le mobilier est bon. Vous voulez faire ça à deux? Non, moi je me mélange pas avec lui. Je veux dire, vous voulez ramener... Venez, par ici. Il faut aller au moins un, au motel, venez. Et t'es sûr de le suivre? Vas-y, viens, t'as. T'es bizarre, lui. Il est trop bizarre. Elle allait nous emmener dans des endroits bizarres. Attends, vite. Elle est dans... Il nous emmener au moins un, ce fou. Eh, tu sais que j'ai déjà vu une histoire criminelle comme ça. Un mec, il l'emmène dans la cave et il lui tire dessus. Oh, il nous suit, vite! Bombarde, il nous suit! Cours super vite! Putain, mais tu sais pas conduire! C'est une dinguerie, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un conduire comme ça. C'était Homer Simpson. C'est bon, il est plus là, il était à pied. De toute façon, il peut pas aller plus vite qu'une voiture à 200 chevaux. Aïe. Suis le GPS pour voir.
Vas-y, vas-y, descends. Non, pardon. reviens. Non, je te jure, descends, elle fume noire, elle va s'arrêter. Ouais, ça y est, reviens. Reviens. Non, je rigole pas. Elle fume noire, la voiture, elle va plus rouler bientôt, là. Tu l'as pris 2 minutes, tu l'as flingué. Carglass répare, Carglass remplace. Si t'as un impact moins gros qu'une pièce de 2€, il te change le pare-brise. Mais là, je crois que toi, t'as plus de pare-brise. Regarde, elle roule même. Eh, tu m'as fait un... tu as payé, là. T'es au courant ou pas? Là, on va au garage, tu as payé. Mais c'est toi, tu casses, tu payes. Mais t'es fou quoi, la voiture elle roule même plus là. Ouais, mais ça j'admine, j'ai rien fait là. J'ai pris un rappel à l'ordre, mais j'ai fait quoi? J'ai pas vu les gars. Il a dit, okay, ça a dit quoi? J'ai pas vu. Ah, la conduite. Ah oui, merde. Ah oui, ok, mais j'ai pas fait exprès. Non, faut bien conduire en vrai. Je suis sur TikTok, y'a aucun truc, y'a aucun tuto qui... Mais frérot, pourquoi t'es sur TikTok? TikTok ça ravage complètement le cerveau des jeunes. Vas-y, viens, il se passe un bail. Vas-y, il se passe un bail, viens, on va écouter. La dernière fois qu'on a vu ce camping-car, c'était dans Breaking Bad. Tu sais que je connais Jesse Pinkman. Ah bon? Ouais, c'était un pote à moi il y a un moment, mais il a pris la grosse tête lui aussi. Comment ça tu connais Jesse? Parce que j'étais pote avec Eminem. Ouais, le mec qui a joué Jesse Pinkman, ouais. Ah, tu me prends pas trop pour une bite, toi. Non? Mais toi qui me dis que le 11 septembre ça existe pas, on en parle? Vas-y, parle-moi fort là. Qu'est-ce que tu racontes, Eminem là? Non, mais il dit des conneries, c'est une tête de bite. Ah, pardon. Comment on fait déjà pour chuchoter? Salam alaikum. Bonjour. Ah, bonjour. Vous travaillez ici? Non, j'ai une dégaine à travailler ici. Ah, bah pourquoi pas? J'ai déjà vu des mecs à noir débardeurs. Hein? Je comprends pas ta langue là. J'ai déjà vu des mecs à noir débardeurs. Bonjour, mais y'a des gitans dans cette ville. Ouais. Hein? Ça fait 8 ans que je suis là. Vous travaillez ici ou pas? Non, il est pas là, il dit qu'il a pas la dégaine. Il est pas là, ça se voit non? Non, ça se voit pas. Il travaille pas ici, il se prend du bal. Ouais, vous avez bien décrit la personne. Eh, franchement, le chanteur le plus connu de votre communauté, c'est Kenji Girac. Faudrait quand même se remettre en question. Oh là là. Ritano, ouais, t'as pardon. Non, il faut jamais se mettre un gitan à dos. Ouais. Parce qu'il y aura toujours un gitan pour te faire la peau. Restons cordial entre nous. Eh ouais, restons corrects. Ouais, restons corrects. Sans leur mort, on est correct. Ah, c'est Attends, c'est je t'ai forcé dedans. Moi je suis un ami des. Un ami ah, excuse-moi. Il est passé où là? Les gars, on bosse pas à Naruto, hein, pour être très honnête avec vous. Occupez-vous-en en vrai. Vous êtes gitan, vous savez ce que vous avez à faire avec la. Ah, voilà, c'est pris, t'en peux plus, moi. Ouais. Une voiture de France là, j'en peux plus. T'as déjà vu Prison Break? Ouais, je connais. T'as touché dans le dos? Si Fernando Sucre il avait été blanc, il ressemblerait à ça, je crois. Tu parles de moi? Oui. Je ressemble pas à Fernando Sucre, je ressemble à Eminem. Vous me reconnaissez pas? Il était bien jeune, hein? Bien jeune alors. Bon? Eh, c'est juste un suceur d'Eminem, il fait tout pour lui ressembler. Tu rappes aussi un peu, quoi? Mais évidemment que je rappe. Là, y'a pas d'instru, là, je peux pas tout de suite, mais t'inquiète pas, mon pote, j'ai rappé. Mais. Vas-y, prouve un peu, rappe, frère. Je vais rapper là, bientôt. Et il me faut un thème. Tu vois, je vais pas rapper. Je vais pas rapper sur la meuf là, sinon je vais la terminer, elle va faire un trade. J'aime trop ton boule de mec. Lui, je sais pas quoi si bien. C'est un quemé là. Un quemé, ouais, je te reconnais. C'est pas qu'il fait de la serpillère. Attends, viens, on va écouter ce qu'ils disent. Ah bah vous inquiétez pas, je vais l'aider, je suis son sauveur. Non, allez, dis-lui. Non, mais dites-vous, même on... Tyson. Pourquoi on est venu Tyson, là en vrai? Essayez de le porter peut-être. C'est une Titanic. Essayez de le porter peut-être. Non, mais... Ah, je vais essayer de le faire, tu l'as éclaté. C'est pas moi qui ai fait ça. Eh, en vrai de vrai, je préférais quand on rencontrait personne. Ah putain, il pleut! Ah, c'est bon, elle est toute neuve l'auto! Attends, mais là, toi aussi t'entends l'orage fort là? Ah oui, c'est de l'orage quoi. Ah ok. Non, mais là c'est très très fort quand même. Ah, après, tu peux régler, tu sais, ton audition. Je vais essayer de régler ça. Je sais pas où il y a de la meuf en ville. Mais tu sais, on va pas passer nos vies à chercher de la meuf, hein. Pourquoi moi je fais ça tout le temps? Et tu trouves? Non. Ah. Faudrait te poser les bonnes questions. Après, j'ai un site pour toi si tu veux. Mais vas-y, c'est pour trouver des vieilles. Mais non, mais tu peux trouver tout type de femmes. Juste moi, j'ai une préférence pour la tranche 60-80. Il y a un club d'ouvert, j'arrive pas à mettre le point GPS. Non, mais on va pas aller dans tous les clubs de prostituées de la ville. Bah, t'es mal clashé. Il est éclaté. Oh. Ouais, bah, tu connais un peu en voiture? Ouais, un peu. Et toi, tu faisais quoi dans la vie avant d'être au chômage? J'étais ouvrier. Ouvrier de quoi? Ouvrier. De manœuvre quoi, sur un chantier quoi. Bonsoir chantier? Ouais, bonsoir chantier, genre vraiment le boulot de merde. Ah ok, ouais bah on va devoir le chantier qui se repose, on est mieux comme ça là. Bon bah après j'ai pas d'argent quoi, il me reste 300$, je sais pas comment je vais survivre mais bon. Mais t'as le droit d'avoir des retards de loyer ou pas? Non. C'est qui ton proprio, on lui casse la gueule? Je sais pas qui c'est encore. Bon, t'arrêtes de poser des questions de merde, je te pose des questions. Ok, bah je vais te reposer une question simple. Pourquoi le 11 septembre n'a jamais existé? Que j'ai pas trop saisi là. Non mais ça a existé, c'est juste que c'est pas ce qu'on nous dit que c'était, c'est tout. Tu veux dire que le 11 septembre c'est pas vraiment ce que c'était quoi?
Exactement ça. Mais dans quel sens? Déjà, il n'y a jamais eu d'avion qui s'est éclaté dans la tour numéro 7 du World Trade Center. Et si, on a retrouvé des débris? Non, c'est faux. Ça voudrait dire que les images sont tronquées? Les images sont tronquées, exactement. Ça a été généré par IA, qu'est-ce que tu crois? Mais l'IA n'existait pas en 2001, révise tes fiches. Mais c'est ce qu'on te fait croire. Tu crois vraiment que quand ils découvrent une technologie, ils la sortent directement? L'IA, ils savent faire ce qu'on sait faire avec l'IA depuis 20 ans. Tu voudrais... qu'ils nous le disent pas. Et d'accord, mais... Donc tu voudrais dire que l'IA est sortie en 2001? L'IA en 2001, ils pouvaient déjà faire des vidéos en IA. Exactement. Franchement, j'ai du mal à croire à ta théorie. Hein. Sachant que, pour être très honnête avec toi, si l'IA existait depuis 2001, en 2024, on aurait accès à la vidéo de Kim Kardashian et Kanye West en 4K. Parce que franchement, la qualité est déplorable. Il y a une vidéo... Une vidéo, ouais. Bah on va la mettre sur le grand écran. Eh, hey, qui ne s'est jamais branlé avec un ami, hein. Allez, viens. Ton ami, c'est moi. Viens, je vais te montrer. T'as le CarPlay ou pas? Comment ils vont, les voisins? Ça va bien. Salut, les voisins. Eh, hey, y'a pas ça une va. Soirée, là, où on peut pécho de la weed et de la meuf? Et t'es le voisin, toi? Ouais, je suis le nouveau voisin. Hein? Alors, en fait, je l'héberge, hein, c'est un trou du cul un peu. Non, pardon. Les gars, bah, on est voisins, garde tes distances, fais ta vie, je fais ma vie. Habille voisin, ça veut pas dire pote, habille-vous, il pleut, allez te faire du bruit le soir. Ah ouais, mais ils savent pas accueillir eux. Avec ta grosse dégaine des boueurs, tranquille. Ouais, bah non, on va rentrer. Tranquille, on les calcule pas. Vas-y, les gars, bonne soirée. Ouais. Vous êtes quel bâtiment? Lequel? On est là, juste à côté. Quelle porte? Lui dis pas. Bah, on dit pas, nous. On parle pas. On va le savoir. On n'est pas des poucaves. Ouais, pour que t'étales du caca sur la porte, c'est bon. Prenez des précautions, c'est bien. Ouais. Vas-y. Vous allez nous faire chier, vous. Eh, franchement, ils savent pas accueillir, eux. Allez, dégarpissez, là. Moi, mon colocataire, il m'a accueilli comme si j'étais Rachida Dati, c'était génial. Hein? Casse les couilles, il pleut, j'attends pour rentrer. Mais t'attends quoi? On peut rentrer ou pas? Vas-y, faut pas qu'ils voient la porte, là, c'est des mecs chelous. Ah ouais, j'avoue. Ils ont des têtes de Mexicains, frère. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'ils font, les Mexicains. Un Mexicain, c'est toujours chelou, de toute façon. Un Mexicain, c'est marrant quand il te prépare un tacos, c'est moins marrant quand c'est ton voisin. Eh, mais c'est quoi ce tableau, là? Ça, c'est censé ressembler à une tub. Ouais. C'est la bite, cul, la bite et le cul. La bite et le cul. C'est ça. C'est exactement ce que je pensais quand je l'ai vu. On est des artistes. C'est du néo artistique, tout simplement. C'est une pompe à chaleur. J'aimerais bien passer au gaz là, bien pour chier. Eh, tu sais qu'on peut trafiquer les compteurs Linky, ça t'intéresse? Franchement, ça m'intéresse parce que je paye trop cher en ce moment. Ouais, bah je peux trafiquer les compteurs Linky. J'ai un pote dans le BTP. Portable. Mais ça, tu vas pas dormir dessus parce que c'est là que je regarde tous mes trucs complotistes, tu vois. Ok, mais moi j'ai ton odeur de fromage, tu vois. Et qu'est-ce que là. T'as avec mon fromage? Je suis circoncis. Je vais pas te réciter la fatia pour te prouver que je suis circoncis, bordel. Là, ici, c'est ma brechant, tu vois. Ok, c'est un ouf, Stéphane Plaza, il m'entend même pas tellement il est dans son délire de... Ça, c'est mes deux placards. Je me mets ça, ça veut dire que toi, tu mets pas. Attends, y'a des voix là! C'est les voisins et les murs sont en papier. Ouais, ferme ta gueule un peu, on veut dormir nous, ferme ta gueule! Ah ouais, mais les murs sont très fins! Eh, y'a des portes qui se perdent! Mais attends! Neville, t'es pas chaud, on baisse comme ça, on les dérange! Y'en a qui bossent! Hein? Eh, Neville! Tu veux quoi, tête de cartes? Ouais, tu me réponds pas quand je te parle! Eh, pousse-toi! Là, ouais, tu me disais quoi? Je t'ai dit, t'es pas chaud, on baisse comme ça, on les dérange! Mais t'es un ouf toi! Retiens un truc comme ça, je te jure, tu dors sur le parking! Ah pardon. Vas-y, ils font trop les Mexicains alors que c'est même pas des Mexicains, des vrais Mexicains pure souche, pure tacos. Mais vas-y, tu crois qu'on va se laisser bolosser comme ça toute la soirée ou quoi? Ils nous ont dit ferme ta gueule, Kayate. Et tu vas faire quoi? Bah, je comptais sur toi, ça se voit que toi t'es un mec chaud. Rien du tout. Je suis pas en forme, je m'en prends une jetonne par terre, donc laisse-moi tranquille. Ah ouais, donc en fait on est juste des losbos en fait. C'est exactement ça. Quand t'auras un flingue ou une batte de baseball, on vient me parler. Ou un couteau. Ah ouais, mais ma street cred aussi. Ouais, bah ça peut-être ça attendra. Hein. En tout cas, t'as un beau setup. Non mais les murs sont trop fins, là, ils habitent chez nous là. Chuchote. Ça c'est mon poster de d'une pute. Ça c'est mon setup, mais je l'ai débranché pour l'instant parce que j'ai que les services secrets sont sur mes côtes. Et ça c'est le canapé où tu dors. Ok, vas-y, c'est bon. Je dors là, toi. Ils vont nous faire chier jusqu'à quelle heure, les Mexicains, là? T'as dit quoi, Neville? J'ai soin mexicain et je fous le bordel dans le voisinage. Et j'ai pris un accent comme ça alors que j'ai pas d'accent à la base. C'est un connard de mexicain. Eh, bon, c'est bon, ils sont barrés. Eh, tu sais ce qu'on peut faire sinon? Quoi? On parle de Donald Trump, ça va forcément faire fuir les Mexiques. Mais je comprends pas ce qu'ils foutent. Pourquoi ils sont pas derrière le mur là? Il y a un mur, c'est pourquoi? Mais ils préparent quelque chose, c'est tes voisins, pas les miens. J'en sais rien ce qu'ils préparent, je parle pas aux Mexicains moi. T'es raciste? Bah oui. Ah, honnête. Et du coup, tu m'as pas répondu, on est à Berlin pour qu'il y ait des murs dans la ville ou quoi? Il y a des attentats, un truc comme ça. Des attentats? Il y a des attentats et du coup, ils ont mis un mur.
Non mais est-ce qu'on a entendu à la Wakbar? Je crois pas hein. Ah si, il y a attentat, il y a à la Wakbar normalement. C'est... Franchement je sais pas. Et c'est News qui l'a dit, enfin c'est le truc de News, j'ai plus... je connais pourquoi plus la chaîne. Pourquoi tu me colles comme ça, je t'ai dit? Je te colle pas, tu me fais visiter la baraque. Non là tu restes, c'est bon, on a tout visité maintenant. Ah ok, bah maintenant je m'assois, je prends mon bang et voilà. Non non mais moi je trouve que, vas-y, on se fait pisser dessus par les Mexicains et on dit rien, voilà c'est ça la vraie. Oh ouais, qu'est-ce que tu fais? Au-dessus des vieux volcans, près du lac et du tapis volant. Voyage. Ouais, t'as un drapeau. T'as un drapeau foncé dans la tête, ça me va. Eh mais c'est un drapeau LGBT. LGBT quoi? Je reconnais ça. Non, c'est pas un drapeau LGBT. Ah, vas-y, hey, reste mais là. Mais hey, c'est pas un drapeau LGBT. C'est un truc lié à ça. Attends, t'es en train de dire que le mouvement LGBT, c'est un mouvement complotiste? Mais bien sûr. Mais comment ça? La question ne se pose pas. Ça voudrait dire que le mouvement n'existe pas à la base. Eh, hey, je peux te la tenir? Aïe. Tu peux... Mais je crois que tu vas dans les chiottes. Vas-y. S'il te plaît, tu peux me dire où je dors? Hey, t'es en train de te tenir au buisson comme un singe. T'es en train de me flinguer. Singe. Attends, pardon, j'arrête. Ah, c'est quoi le projet là? Ça va avoir de la meuf? Frère, j'ai aucun projet. Ah, viens, on regarde un docu, je sais pas. T'as Netflix ou pas? Si, j'ai pas la télé. Et pourquoi t'as pas la télé? Parce que. Il me surveille à travers les ondes. Et comment faut te l'expliquer? J'ai rien de branché. Les ondes électriques, ça leur permet de récolter mes données. Et c'est avec ça qu'ils vont me niquer. Mais ils vont te voler quoi? Tes données, t'as rien? Ils vont me tuer. Ils vont te voler quoi? T'as rien. Me tuer, me voler mon âme. Qui va te voler ton âme? Mon âme. Ils veulent mon âme et mon sang pour faire des. Et ton âme de drogué et d'alcoolique, ils vont faire quoi avec ton âme? Ouais, c'est pas la meilleure âme, mais ça suffit déjà pour pas mal. Ah bon? Et toi, tu sais que t'es un genre de roux dégueulasse, blond mi-roux. Pas tu... roux. J'ai une blonde platine. Fais gaffe qu'ils te mettent pas la main dessus, parce que un mec comme toi, ça en vaut deux. Pour les rituels et tout, ça en vaut deux. Et comment ça, ça en vaut deux? Est-ce que tu contractes? Ouais. Non, là je contracte pas, pourquoi je suis balèze? Non, mais pas les muscles. Ah, est-ce que je contracte avec le gouvernement? Voilà, tu contractes avec le gouvernement? Bah ouais, je suis citoyen américain et ah, fier. Mais tant que tu restes dans ce... tant que t'es dans ce registre, t'es mort. T'es mort, mon gars. Et pourquoi? Mais ils vont te niquer. Et... c'est des mercenaires sur le sol américain. Ils vont te choper, mon gars. Et donc t'es en train de dire qu'il faut pas que je contracte? Ne contracte pas. Ok. Et même s'il faut casser une vitre, qu'il te pète la porte, tu contractes pas. Ah pardon. Non mais me pousse pas par contre. Ah pardon, pardon. Bon bah viens on sort, hein. On va voir peut-être si on peut trouver quelque chose. Ouais, attends je vous flappe. Ah ouais, tu fermes. Je ferme derrière moi, tu crois. Tu fermes derrière toi, mais t'es un ouf. Toi le fou. Pas besoin de fermer derrière toi, on est en Amérique, on est protégé. Un ouf, lui il ferme la porte. Eh mais viens, on va renforcer notre street crédibilité là, les Mexicains ils ont trop mal parlé frère. Tu veux les niquer, tu veux te battre contre eux? Ah non, parce que j'ai l'impression que si je les nique, tu vas pas m'aider. Si je suis au sol, est-ce que tu seras là pour me relever ou me mettre un penalty dans la tête comme si on était à la foire du trône? Après je peux faire diversion moi, c'est-à-dire je cours pendant que je cours pendant que tu te bats, tu vois. Ah d'accord. Il y a peut-être un qui va. Bon bah on va respecter les Mexicains jusqu'à temps qu'on puisse respecter les Mexicains, on verra plus tard. Regarde-les, ces gros dégueulasses de Mexicains, ils sont même pas capables de sortir les poubelles. Il y a un cadavre là-dedans. Ah pardon. Ah bah je sais que ma droite est puissante, mais quand même, relève-toi. J'ai pas tenu le coup contre un rouquin, il veut que je me batte contre des Mexicains. J'ai cru que t'étais mort. Relève-toi. Eh relève-toi ou je te vole tes pompes. Les rouquins me font de l'œil depuis le début là. Wow. Je vais me lever. Donne-moi un peu de temps, merde. Ah ouais mais c'est long là. Si vous avez un talent en musique, contactez-nous. Oh attends. Oh vas-y, on va les contacter direct. 5. Tu peux les contacter ou pas? Eh, je te parle. J'appelle. Oui bonsoir, je vous appelle à propos de l'annonce par rapport à un jeune talent qui serait rappé, chanté. Incroyable. Je t'ai dit on va trouver un sens à notre vie. Vas-y c'est parti hein. C'est ton destin. Tu vas percer dans le rap mon pote. Et tu vas me filer des sous, je te le dis. Frérot, ça fait 20 ans que je dois percer dans le rap. Quand tu as percé, ouais. Commence à te souvenir de moi quand je t'ai hébergé, quand t'es arrivé à Los Santos. Tu m'as même pas encore hébergé une seule nuit, j'ai toujours pas dormi depuis que je suis arrivé dans cette ville. Ouais mais tu vas dormir, ça va venir. Tout le monde doit dormir à un moment donné, donc. Mais attends, mais laisse-moi réfléchir là, faut que je sorte un scud là, faut que je sorte un. Ah oui, un bloc-notes là. Oui. Ah ouais putain. Allez, mais il faut rapper sur les thèmes de la société actuelle. Oh putain. Oh j'ai éclaté le coffre. Eh, hey, tu penserais quoi d'un son qui parlerait des faux culs? Des faux culs? Ouais, genre les faux culs, la chirurgie esthétique. Ouais, c'est bien ça. Et comme ça, ça pourrait nous donner des rimes avec faux culs. Genre ton frère n'est pas vraiment ton frère, c'est un faux cul. Comme la meuf que t'as essayé de baiser hier, elle avait un elle faux cul. Elle a un faux cul. Oh là là. Eh ça, t'as pas. C'est pas platine dans la semaine. Ah mais il faut des thématiques de société qui remuent un peu la ville, tu vois. Pour que les gens se sentent concernés par nos textes. Du complotisme? Non, pas vraiment. Par là, si parle un peu du 11 septembre et tout. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mes diamantes. J'y croyais pas ce qu'ils vous disent sur Weasel News. Dis des trucs comme ça. Ouais. Dis ça. Croyez pas ce qu'ils vous disent sur Weasel News.
Trouve une rime, trouve une rime. C'est toi le rappeur, c'est pas moi. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Croyez pas à tout ce qu'il dit sur Weasel News. Au final, tout ce qu'on veut et tout ce qu'on rêve, c'est faire du flouze. Ouais, c'est trop sale, mec. Y a un que truc, j'ai juste besoin de toi pour les thématiques. Après, ça viendra tout seul, j'ai ça dans le sang. Soir en ville, y'a de la chatte. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Messieurs, surtout. Ouais, on est des hommes, hein, ça se voit. Regarde le baggy, mon pote. Ça se voit. Après, vous dites chatte. Après, ça va rien dire, tout ça. Ah si, regarde mon baggy. Un vrai baggy d'homme. Peut-être que tu l'abaisses pour. Ouais, vous êtes dans le club. Qui est plus facilement. Quoi. Bon, oui. On peut vous aider, messieurs. Ouais. Non, vas-y, viens, Eminem. On voulait venir au Bahamas. Non, c'est bon. Bonne soirée. C'est fermé le Bahamas. Ah bon, c'est fermé le Bahamas? Non, viens. Ouais, c'est fermé pour le moment. Ah. Mais vous pouvez continuer. Est-ce que je vous pense. Êtes un artiste? Vous êtes un artiste, monsieur. Ah, ça se voit oui, sur c'est moi. C'est un artiste, c'est un artiste hyper réputé. Eh bien, je pense que vous pouvez essayer vous d'aller attend, voir qui est juste viens, en face. Viens, il faut aller voir, ouais. Moins court la jupe la prochaine fois. Moins grande ta poutre. Oh putain, on va se faire des ennemis. Oh, putain, C'est qui vous a donné l'autorisation de faire des remarques sur les jupes des filles, monsieur? Non, mais je parlais du froc de mon pote. Il est un peu débile, il est né un peu con. Ça veut dire, excusez-le. En fait, c'est mon petit cousin. Non, mais il va aller s'excuser. D'habitude, je lui mets une laisse, mais là, je vais enlever juste la laisse et il dit de la merde. Oui, non, il va aller s'excuser après la dame. Mais je dois d'abord aller au Bahamas faire un freestyle. Ouais, non, vous allez d'abord vous excuser. Vas-y, va t'excuser. Excuse-nous, Batman. Ouais, excuse-moi, Batman. Non, c'est qui, Batman? Madame. Ah non, mais j'ai entendu Batman. Je parlais de mon ami, mais là, vous avez mal parlé. Ah non, j'ai juste fait un constat sur la robe. Oui, ben bah, vous avez pas fait ça. Vous pouvez garder mon constat à vous. J'ai aussi fait un constat sur le fait que tu as une bouche. Regarde, je vais te dire un truc, Petit. Ouais. La prochaine fois, tu parles comme ça aux gens qui travaillent ici, t'en prendras une dans la gueule, c'est bon. Allez, bonne soirée. Déjà, t'es bien. Déjà, on est pas en soirée déjà. Bonne soirée. Soirée ou pas soirée. Bien parler aux gens que tu connais pas. On n'est pas familier, donc. Un peu de respect, tu vois. On te connaît pas, tu nous connais pas, t'es là, tu viens parler mal. C'est pas comme ça que ça se passe, la vie. Je sais pas d'où tu viens, frérot. Donc, comment ça va bien parler aux gens que tu connais pas? Neville. Ah, t'as raison, Mowgli. Vas-y, viens, Eminem, mon taille. C'est bon. Eminem. Eminem, il a dit. Pourquoi vous rigolez d'Eminem? Smarties, oui. Eminem, il a dit. Eminem, ouais. Mais pourquoi tu clashes Eminem? Tu laisses ta meuf sortir comme ça et tu me parles d'Eminem? Mais c'est un ouf, lui. Vas-y, viens. On parle pas avec ces mecs-là. Vas-y, c'est un ouf, lui. Il veut parler d'Eminem, il laisse sa meuf sortir comme ça. C'est un ouf, allez, viens. Arrête de te déplacer comme ça, marche normalement. Ah ouais, mais je cours plus vite quand je saute. Non, oui, mais on n'est pas ici. Ah, mais c'est un ouf, il laisse sortir sa meuf comme ça et il clash Eminem. Ah, mais sa meuf, c'est une pute, on s'en fout. Bon, allez, viens. Toutes les meufs, c'est. Vas-y, viens. Bonsoir. Désolé, mon artiste, il était en train de se prendre la tête. Pas de soucis, prenez-moi. C'est un rappeur un peu dur. C'est-à-dire, il laisse rien passer. Là, il vient de s'embrouiller de fou. Parce que les mecs là-bas, ils ont. C'était une embrouille de gang, en vrai, tu connais, c'est la street. C'est un peu une embrouille de gang. Ouais. D'accord. Je finis juste de fumer, on rentre, on fait écouter ce que. Ok, ouais, y a pas de problème. Hein. Vous savez si Lil Nas Kid est là ou pas? Je connais pas du tout. Ah, c'est un beatmaker très réputé. Monsieur Mora, j'ai peut-être quelque chose. Ah, ok. Oui. Des soi-disant rappeurs. Non, pas des, lui c'est rappeur. Lui c'est le rappeur. C'est le rappeur. Bien ça, donc, les gars, c'est le rappeur blanc. J'étais en train de discuter justement. Ça fait combien de temps que vous êtes en ville, messieurs? Quelques heures. Lui il arrive aujourd'hui. Moi je l'héberge. D'accord. Vous faites quoi? Vous êtes son agent? Moi je suis son agent et je m'occupe un peu du côté. C'est faux, il a signé aucun papier, c'est juste un ami. Si je perds, ça deviendra mon agent. Mettez-vous d'accord, les gars. Attends, tu t'appelles comment toi là? Le blond. Moi je m'appelle Stan. Tu sais ce que j'aime bien chez toi? Ouais. Bois des putains de couilles. Tu vois ce que tu viens de faire là? Ouais. Ça j'apprécie beaucoup. Déjà, toi aller loin. Sache que tu vas aller très très loin dans ta vie. Et encore, vous l'avez même pas entendu encore en freestyle. Je t'ai pas demandé ton avis toi. Ah ouais, arrête, tais-toi. Désolé, chef. Comment ça, chef? Je suis désolé. Non, l'écoutez pas, il a pas fait exprès. Neville, tu vas te faire casser la gueule. Je veux pas d'embrouille, moi, les gars. Je pense qu'on va rentrer à l'intérieur et vous nous faire écouter ce qu'ils ont. Neville, tu vas te faire casser la gueule. On n'est pas dans la voiture. On a des bonnes bases. Attends, fais-moi écouter dans la voiture. On a des bonnes bases. Allez-y, monsieur. Ouais, j'y vais. Dans la bateau, mais le son, monte à l'avant. Tu connais ton Bluetooth là, allez. Putain, Neville, j'ai pas révisé mon texte. T'as pas un son enregistré, Stan? Là, sur moi, j'ai oublié ma clé USB à la maison, mais ça pourra se refaire. T'as rien du tout là? T'as pas une petite maquette, rien? J'avoue que j'ai pas la maquette sur moi, je pensais pas qu'on allait venir aujourd'hui au Bahamas. Je comprends pas. Pourquoi t'as pas entendu? Tu viens déranger, seigneur. Sors du véhicule. Ah, d'accord, pardon. Bon, j'ai pas eu le temps de faire mon freestyle. Faites-le, vous écoutez. Si, on vous écoute. Ah, ok. Lui veut juste faire son freestyle. Ah, oui, bah, mon freestyle, il est assez simple. C'est pour ceux qui bougent. Pas pour ceux qui chient dessus, qui se tapent même quand on est beaucoup à se faire marcher dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh, wesh, cousin. Mafia quinquin. Pour les Carlouches, les Harlbouches et les Manouches. Au regard louche.
Allez, monte. Bon. Bon, désolé, on n'a pas de pièces, monsieur, on n'a pas de pièces. Désolé. Ah, d'accord. Fous-moi bien. Désolé, monsieur, on n'a pas de pièces, on n'a pas de... Putain, mais Neville, t'as entendu? Putain, c'est mais quoi ça, ton freestyle? Je sais pas ce que tu nous as fait. Et si, dans... Préparer une instru avant ou quelque chose. Et si, dans un autre pays, ça aurait fait disque de platine, ça. Vous êtes sérieux? Préparer une instru la prochaine fois. Oh, merde. Putain, c'est ce qu'on appelle un flop. Bon, au moins, Neville s'est pas fait casser la gueule. Parce que t'as dit chef. Chanter ou... Ah ouais, c'est juste que j'ai besoin d'une instru, c'est tout. Votre ami sait comment on sert pour mettre les instrus sur... Ah ouais, ouais, on repassera, t'inquiète. On repassera, on aura un son tout écrit cette fois. Ok, pas de problème, on repassera. C'est quoi votre nom? Monsieur Yamaguchi. Ah, Yamaguchi, ok, bah on reviendra vous voir, monsieur Yamaguchi. J'ai le numéro de votre ami agent. Vous avez la même voix qu'un ami à moi. J'ai pas d'ami... Ah. Non, mais un ami à moi a la même voix que vous, c'est pas vous en fait. Il conduisait des bus, rien à voir avec vous. Très bien. Merci, monsieur. Passez une bonne soirée, tout ça. J'enregistre votre nuit. Ah, merci beaucoup, hein. Je vais repasser, hein. N'oubliez pas, je vais repasser. Hein. Avec une instru cette fois-ci. Ouais, pas de problème. Putain, j'ai chié, bordel, j'ai déconné. Ils vont jamais me croire que c'est moi le vrai Slim Shady avec ce que j'ai fait. Pas mal, celle-là. Putain, ils veulent me faire. Ça fait 6 minutes qu'ils vannent mon pseudo. C'est fait bolosser complet par les Mexicains, par les putains franges et par tout le monde en fait. Putain. Fallait faire ton freestyle, mec. Elle est dure la première journée à Los Santos. C'est plus Los Santos, c'est Los Bolos. Non mais sérieux, putain, on s'est pris un coup de pression par des gonzesses. C'était des gonzesses. Eh, t'as vu? Ouais. Ils m'ont dit de s'excuser, je me suis pas excusé. Bah si, t'es vraiment... ta script trade, elle a pris au moins 0,5 points. Mais toi, t'es un malade d'avoir dit chef au mec, c'était un brigand, je crois. Pour ça, je dis chef. C'est le chef des brigands. Mais... Il a mal compris, il a cru que je l'appelais chef comme au grec. Mais non. Franchement, j'étais trop content. Je pensais que t'allais finir dans son coffre et que j'allais pouvoir avoir l'appartement pour moi tout seul. Mais t'es un fou, je t'ai même pas passé la clé. Et frérot, j'ai... Là, tu serais juste à la porte, là. Frérot, tu penses que j'ai pris la street cred dans le bon sens ou dans le mauvais sens, là? Bah, pour l'instant, c'est vraiment dans le mauvais sens. Putain. Et même toi, tu roules en mauvais sens, là, je crois. T'as réparé ta voiture hier, elle est déjà fracassée. C'est ta faute. Putain. Chier. J'ai stressé, mon freestyle était pas à la hauteur de mes moyens. Je suis sûr que dans un autre pays, ça aurait fait disque de platine, ça. Pas aux United States of America, man. Putain. Tu vois, chez les chrétiens, y a Noël. Ouais. Tu vois, chez les juifs, il y a Hanouka. Ouais. Enfin, non, en fait, il y a pas. Enfin, si, il y a Hanouka. Et tu vois, les juifs, ils fêtent pas Noël. Les juifs fêtent pas Noël? Non, okay. Les juifs fêtent pas Noël. Ils croient pas au Père Noël. Ouais, ok. Ils croient en Monsieur Anke, le petit caca Noël. Et il sort tous les ans des toilettes. Il sort le 24 décembre et il crie Heidi-ho! Heidi-ho, Neville! J'espère que tu as été un bon petit enfant. Et c'est un caca juif? Monsieur Anke aime toutes les communautés! Il n'a pas de religion. C'est un peu bizarre. Oh, oh, oh. Si. T'as entendu ça? C'était quoi? Bah, y a un bruit bizarre. Heidi ho, Neville. Donc ok, c'est un caca juif du coup. Non, c'est pas un caca juif. Monsieur Anke n'a pas de religion. C'était quoi ce bruit de fou? Eh, la prochaine fois, vous assistez aux personnes qui ont besoin d'aide. Vas-y. Et toi déjà, va chez l'orthophoniste, c'est ça que t'as besoin. Va mettre des jardins dans les dentaires. Quoi? Moi aussi, je sais faire des au début de mes freestyles. Attends, écoute ce qu'elle a à dire. Oh putain, ils reviennent. Non, vas-y, suis-les. Vas-y, on nique le mec ou pas? Non, on le nique pas, on essaye de rapper avec les mots. Je boxe avec les mots. Putain, on les a perdus. Putain, mais tu sais pas conduire. Ouais, pardon, ouais. Ceci est un contrôle de police. Ceci est un contrôle de police. Écrase-les. Papier du véhicule. Papier du véhicule. Dégagez là. Sors de la voiture, Mbappé. Mais c'est... Non, il va prendre ta voiture. Mais c'est qui, Mbappé? C'est Mbappé. Accélère. C'est Mbappé? Non, c'est pas Mbappé. Non, moi, c'est... Va à Mirror. C'est Mbappé, mais qu'est-ce qu'elle a là? Vas-y, mais c'était Mbappé. Vas-y, j'en ai marre, on se fait bolosser 6 points en une journée et tu dis rien. Ah, elle est là. Qu'est-ce qu'elle veut? Sors. Ouais. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. C'est quoi le problème? Bah, c'est toi qui as un problème apparemment. Comment ça, c'est Mtia? Mais comment ça, c'est toi qui viens et ton mec qui reste dans la voiture? C'est quoi ces comportements? Ah, pardon, excusez-moi. Et je vous ai carrément confondu avec mes potes. Ah ouais? Hein? Ça, c'est... Ouais. Mais t'as des potes? Oui. Ah, pas mal l'Air Force. Si, pas mal, t'es Timberland. Ouais. Il y a comme un acteur porno. Par contre, toi, tes TN sont dégueulasses. Hein. Eh, c'est ton mec dans la voiture là? Non, c'est mon coach. Non, moi, je suis coach. Hein? Eh, hey, t'es coach Big Smoke, hein? Ah, c'est une dinguerie, frère. Attends, hein. Je te rappelle deux secondes. Eh, tu vas chercher des meufs avec le dernier Gold GT pour rien, oui, gratuitement, comme ça. Et par contre, je commence pas à faire mon pote là, hein. Bah, je vais pas le faire, mais c'est la vérité. Hey, comment tu veux pas tu cherches quoi? Tu cherches quoi dans son Gold GT? Eh, hey, c'est ma meuf. Bah, non, c'est pas ta meuf. Ta meuf. Elle est pas consentante, frère. Ah. Vas-y, on monte avec vous en vrai, on en est.
Mais où il y a de la place? Ah ouais. Ah c'est une voix. Bah désolé, elle monte avec Priscilla là. Putain mais c'est quoi ce gang de gonzesses là? Je la verrouille. Bonsoir. Toi monsieur vous allez bien? Ouais ça va, pas mal là l'Audi là, c'est une S3 ça je reconnais. Bien sûr. Ouais mais pourquoi votre carreau il est cassé? Eh mais vous avez raison, garez-vous au milieu de la route, vous avez raison, vous avez raison. Putain on s'entend plus parler, qu'est-ce qu'il a là? Depuis avant ils veulent des voitures mais. Franchement j'ai pas besoin de ça. Mais c'est à toi la voiture? Franchement si t'arrives. Ouais bien sûr. Mais il a conduire. Bah ouais pourquoi pas. Allez ça y est toi. Mais je monte. Bah vas-y, viens à ma droite, t'inquiète. J'ai une main, t'as une cuisse. C'est parfait. Mais regarde lui avec son gros bagage. Ah, je disais, il y a une bonne conduite sur cette voiture. Vas-y, monte, vas-y. À l'aide. Attends, j'ouvre. Passez au Darnel, les gars, pour vous faire. Eh vas-y, venez, on monte à 4. Venez, montez tous là, arrêtez avec Mbappé là. Je peux pas monter. Vas-y, regarde, Mbappé, il a laissé sa voiture. Non, il est trop gros, il peut pas passer à l'arrière lui. C'est moi, je suis avec ton collègue. Je suis pas grossophobe, je constate. Aplatis pas le siège derrière, toi. Là-bas, il y a une soirée. Par contre, j'ai un problème, j'ai pas le permis. Oh, il y a une soirée. Ah ouais, toi, t'aimes trop les soirées. T'aimes trop les clips. Mets la soirée, vas-y, viens. Vas-y, mets la soirée, mets la soirée. Enlève le point, toi. Où le point? Enlève le point. Attends deux secondes. Il s'est même pas conduit. Si, si, c'est monsieur. Ouais, pardon. Ouais, pardon, je disais, je suis pas Eminem. Mais c'est pas Eminem. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? M'appelle Stan. Regarde, c'est Samuel L. Jackson. Oh, la tête de moi, tu vas payer la réparation. Putain, il m'a niqué. Oh va au bénisse. Mais attends, qui va payer? Mais t'es une ouf, toi. Ah, espèce de gratteur, toi. Tu grattes les soirées, tu grattes les voitures, tu grattes tout, toi. Mais putain, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'as rien compris, Mbappé. Tu payes tout et tu reçois rien. Ouais, mais non, justement. Mais non, justement, je paye rien et je reçois tout. Mais tu reçois quoi, toi? Gratteur. Eh, écoute. J'ai toutes les soirées de la ville, pour l'instant je les ai fait gratuitement. C'est $500 l'entrée. C'est normal, bah t'escalades les murs, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est parce que je connais les vigiles, j'ai les contacts. C'est quoi ce couple de fous? Mais on n'est pas en couple, mais vous êtes quoi alors? Un mec et une meuf dans la même voiture? C'est pas pour rien et que tu la... alors c'est pas pour mais rien que toi, tu la transportes. Ah mais c'est la soirée du rap. C'est pas ma voiture. Y'a personne, regarde, y'a personne. La soirée du quoi? On est deux. C'est quoi cette soirée là? Putain mais j'ai perdu mon pote. Bon c'est pas grave hein. Eh, tu t'appelles comment Eminem là? Je m'appelle Stan, je t'ai dit. Il s'appelle Stan. Il est con ou quoi ton pote là? Merde. Oh le prénom de merde. Il est fou ce mec. Tu veux mon numéro? Tournez votre numéro. Vas-y, envoie ton numéro. Tu veux pas. Tu veux pas que je te suive? Enfin, tu veux pas autre chose là? Plus tard le numéro? Bah vas-y, on va pas ton numéro. Moi j'aime bien ton numéro, Neville. Ouais, vas-y, on va ton numéro. Ah ouais, Neville, t'es comme ça en fait. Quand on est à la maison, tu me dis que tu m'aimes et là tu flirtes avec la première dame que tu vois. Je vous jure, moi. Monsieur, les types ballants de 2010. Vas-y. Mais qu'est-ce que t'as avec ton gros cul, toi? Singleton, c'est mon nom. Et fais-nous un petit rap là, Eminem, s'il te plaît. Non, je suis pas un clown, hein, c'est pas dès qu'on me demande de poser un freestyle, je vais poser un freestyle. Mais qu'est-ce qu'elle a là, Christina Cordula? Elle commence à m'emmerder, à me juger sur mon flow. Sur mon flow. Bon, c'est quoi le plan de la soirée là? C'est quoi le plan? Il faut rentrer. Venez, monsieur. Eh, t'as Neville, venez. La peu cool là, Neville, toi aussi tu viens d'arriver en ville. Il est vraiment levé là. Par contre, je sais pas comment tu t'appelles, Eminem, mais t'es vraiment moche. Mais comment ça, je suis moche? Eh, si moi je te dis que t'es moche et t'as un gros cul, je vais finir dans un thread Twitter. Donc je le dis pas. Bah dis-le, vas-y. Trop tard, je l'ai dit maintenant. C'est tweeté. Il a raison, il a. Non, c'est vrai là. Il a eu la fête. Et franchement, j'avais du flow en 2006. 3h du matin, quelle fête là? 2006, 2007. 3h du matin. Y'a pas de fête là? Mais moi, on m'a dit, y'avait une fête. JB m'a dit, ouais, tonton, viens à la fête. Mais JB, t'as ce cas. Eh, vas-y, mais Mbappé, c'est qui ce mec? Vas-y, viens. Lui, il est stylé, mais pourquoi il ressemble à P. Didi? C'est pas vraiment le moment de ressembler à P. Didi. Il débite, hein? Putain. Non, mais ils vont tous se rendre compte que je sais pas rapper là. Ah ouais, les disques d'or. Eh bien, c'est par là la cabine. Bismillah dans un studio, mais c'est quoi ça? Allez, va chanter. Putain. Attendez, moi je cherche le frigo quand même à un moment donné. Y'a pas de frigo. Mais là t'as capté. Allez monsieur Eminem, ouais. On va poser un petit freestyle là-bas, vas-y. Attends deux secondes, je suis au téléphone. Petit freestyle. Mais c'est qui Eugenie? T'es où que je pose? Monsieur, mais moi j'étais à votre fête. Je sais, toi. Pas possible, hein. Je sais, toi. Tu m'as coursé. Ah, voilà, moi je sais. Comment je me casse de ça là? Moi je suis l'oncle de JB, oup. Comment je t'ai, je montais là? Ah ouais? Oui, ils sont gentils, vos neveux. Ah, ouais. Bah tant mieux, tu t'appelles comment? Ah, mais si, je vois qui c'est, ils m'ont parlé de toi. Ah, Shaggy, c'est un chanteur. Attends, vite, je reviens. Ah, c'est moi, Shaggy. Ah, je connais Shaggy. C'est un très bon chanteur et un très bon rappeur. Très bon rappeur. Ouais, bah, suce doucement aussi. Hein. Monsieur Shaggy, faites-lui écouter. Non, je suis fatigué, j'allais dormir, moi, vas-y. On peut squatter? Ouais, squatter, si vous voulez. Non, ouais, rien à faire. Ah, tu pars dormir, vraiment? Attends, mais viens, Ginny, viens. Ah, ok, on sort, y'a rien à faire. Monsieur, vous êtes sur le point de frapper de quelqu'un ou qu'est-ce qui se passe? Non, même pas, pourquoi?
Ma posture. Vous êtes en position. Mais de... j'ai pas le droit d'être beau, j'ai pas le droit d'être moche, j'ai pas le droit d'avoir ma posture, j'ai le droit de quoi? Non, vous êtes incroyable. Et bien que maintenant l'égalité homme-femme est à 50-50, mais quand même, il y a une époque où t'avais pas autant de droits et je disais rien. Allez, bref. En tout cas, je trouve qu'il y a un truc, on s'entend bien. Ah, ça s'entend très bien. Ouais. Et moi, je vous mets une petite. Mais pourquoi il nous zague comme ça? Frérot, faut toujours se méfier des gonzesses. C'est des gonzesses. Attendez, moi, je sais où il y a des fêtes. Frérot, c'est des gonzesses. Faut toujours se méfier, être sur le qui-vive. Oui, mais c'est bon, contrôle-toi, ça y est, sois normal, mec. Ok, attends, je vais être normal. Mets-toi droit, vas-y. Ok. J'ai un clavier quartier. Enfin. Vas-y. C'est mon numéro. La chemise de fou. Ah, tu m'as déjà envoyé ton numéro, Kamas. Ah, sympa, hein. Bien sûr. Après, elle me l'a passé un mot aussi, donc. Non, mais toi, toi, t'as dit que t'aimais les hommes, donc arrête. Moi, je suis. Non, c'est pas sur mes plates blanches. Vas-y. Comme on dit, Starfoula. Mets-toi bien. Vous savez, il raconte quoi? Il dit qu'il a déjà eu des relations sexuelles avec Eminem, et ça, je vous jure, c'est vrai. Non, mais l'écoutez pas. Mais chez Eminem. Bon, en fait, j'ai envie de vous raconter. Vous voulez que je vous raconte mon histoire en deux temps, trois mouvements? Vas-y, raconte. En fait, Eminem. Redresse-toi d'abord avant. Contrôle-toi. Mais laissez-moi, je suis courbé de naissance. Mais ok, Quasimodo, bah vas-y, raconte ton histoire, c'est bon. Ah, c'est bon, vas-y, je me redresse. Ah, bah enfin. Voilà, et je peux te pousser aussi, donc Belek. Enfin, pardon. Ah, pardon, c'est un mauvais réflexe, désolé. Mais là, on fait des combats de MMA ici. Un combat de MMA, femme versus garçon, mais après, où est l'égalité? Égalité homme-femme. Ah, même droit, même droite? Tiens. Mais c'est mal fait, t'aurais pas fait ça dans la vraie vie. En tout cas, j'aime beaucoup une femme qui a beaucoup d'autodérision, c'est très rare. Mais bien sûr. Tu n'as pas fait une modification par hasard? Parce que c'est remboursé par la sécu. Ah, je suis en transition, ouais. Ah, bah c'est pour ça. Transition écologique. Ah, transition écologique, c'est quoi ça? Écologique. Et pourquoi t'as pris un accent quand t'as dit écologique? Écologique. Écologique. Ouais. Stan. Ouais. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dises. Ouais, d'accord. Oui, parce que non, mais lui, en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre, lui. Il est un peu handicapé, en fait. Ouais, vraiment. Je suis pas handicapé, ma mère est une pute, mais c'est pas ma faute. Allez, c'est bon. Non, mais partez pas, j'ai un background, j'ai une histoire. Allez, vas-y, raconte ton histoire avec Eminem, là, vas-y. Non, en fait, c'est simple, je suis venu à Los Santos pour éclaircir le monde sur une théorie réelle. C'est pas une théorie, d'ailleurs. Trop long. Trop long. On t'a dit trop long. Bref, le vrai Eminem, c'est moi. Mais il y en a qu'un d'Eminem. Bah oui, non, c'est toi. C'est moi le vrai Eminem. Le vrai Eminem que tout le monde connaît à la télé, c'est le faux. Il m'a volé mon histoire, mon background, ma street cred. Il m'a tout pris et c'est lui qui a percé à ma place. Vous avez compris ou j'abrège? Ça va être simple. Fais-nous un freestyle. Le problème, c'est que Eminem a été lissé pour la société. Et là, si je fais un freestyle en présence d'une gonzesse, je vais être très misogyne et je vais finir dans un trade. On fiche. Allez, vas-y. Mais oui, mais justement, je vais inscrire sur les freestyles. Moi-même, je suis misogyne, monsieur, allez-y. T'as pas l'âge. À la foutre de l'homme. Rien dire, ça. Non, mais désolé, je m'étais pas préparé à freestyler. Je stresse un peu. Eh, c'est quoi ton body count? Non, zéro. T'inquiète, je finis. Zéro de body count avec un jean aussi serré, j'ai du mal à y croire. C'est un truc et j'arrive. C'est une mytho. Non, mais. Je vais finir un truc. C'est déjà t'as pas mal, t'as pas mal au pied. Là, je fais un truc. Non, ça va, c'est confortable. Ah ouais? Geox, mais... c'est la chaussure qui respire. Et c'est pas des Geox, c'est des talons. C'est un blague. Ah ouais, bon, bah l'humour, on va laisser ça aux hommes. Non, ah, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa radio? C'est qui fait ces bruits là? C'est un blague. C'est l'instru. Attends, c'est lui. Mais c'est quoi ces bruits de Golemont là? C'est l'instru. Ah, c'était l'instru. Ouais, belle teinture, hein. Et voilà, bah Moonlight, là, on voit. Ouais, t'as kiffé. Ouais, j'aime bien, ouais. C'est quoi ces cheveux, toi? Bah, quoi, c'est ma teinture naturelle. Écoute, Souleymane, sa théorie de merde, s'il te plaît. Eminem, c'est pas vraiment Eminem. Eminem, c'est moi. C'est moi le vrai. Ça, c'est de l'instru qui pète. Ouais, Mbappé, on croit qu'il est fort au foot, mais en vrai de vrai, moi, ce que j'aime chez Mbappé, c'est ses pieds. Bah oui. Bonsoir à tous. Je sens la fête elle est finie ou elle va commencer là? Non, elle est finie. Là il y a Eminem qui reste. Eh, la soirée est forcément finie, la dernière meuf qui reste elle est moche. Ah non, je rigole, hein, c'était juste pour l'exemple. Aïe, pardon, je m'excuse. Eh mais l'instru elle est dingue, hein. Ce soir je vais poser un truc. Putain, mais l'instru elle est dingue. Ouais, Neville, pour l'instant on n'est pas les boss de la cité, mais t'inquiète, bientôt on va contrôler le rinté. T'inquiète pas, pour l'instant on n'est pas les boss de la cité, mais bientôt on va contrôler le rinté. Non, mais l'instru est folle. C'est bien un truc de gonzesse ça, les photos. Allez, vas-y. Un petit snap? Eh, tu as snap? Bien sûr. Ça te dérangerait de m'ajouter sur snap? Bien sûr, non? Vas-y, je vais prendre ton snap alors. Moi, c'est Slim Shady 77. Slim Shady? C'est ma gueule un peu, non? Bah non, c'est mon surnom, Slim. Ça veut dire quoi, Slim? Le jean Slim? Mais non, Slim Shady, c'est mon surnom, je cherche pas à comprendre. Non, mais moi, je veux juste savoir ton score snap. Pourquoi?
T'as réfléchi trop longtemps, ça se voit qu'il est trop long. Non, mais en fait, c'est vrai que ton snap est aussi rempli que ton G. C'est quoi votre score snap, monsieur? Moi, petit score, 60. Vous envoyez vos pieds à tout le monde. 60 000. Menteur. Non, non, frérot, il faut que je prépare mon freestyle. Monsieur, je travaille dans un label de rap. C'est vrai? Bien sûr. Et dans quel label? Crespo label. Faites-le signer, je vous en supplie. Mais je vais faire signer. Monsieur, je connais les mecs qui taffent au Weasel News, si vous attends, voulez. Attends, mais tu rappes vraiment hein? Mais oui, je rappe vraiment. Mais c'est pas. Viens là, viens là, viens là, viens là. Non mais les gars, j'avais pas prévu de l'écrire ce soir. Ok. Mais vous inquiétez pas, demain je serai prêt. Vas-y, demain tu me prépares. Comment déjà, c'est ça? Je sais quoi, c'est un Jean-Luc Reichmann vraiment. Singleton. C'est quoi déjà ton prénom? J'ai oublié. C'est Neville. Attention à la marche. Attends, viens, parce que ton pote là, il est handicapé, je crois. Vas-y. Bah oui, handicapé. Et non, mais vous connaissez pas. Elle rigole beaucoup. Je sais pas c'est qui dans la vraie vie, mais elle rigole un peu trop. C'est Frankie Cop. Le meilleur manager de la ville. C'est quoi ça? Toi, tu rigoles bien. Frankie Cop, c'est un dessin animé. Je rigole bien avec vous. Bah, ça vient que de commencer. Je viens que d'arriver dans la ville, de toute façon. Pas de votre génération. Ouais, ça se voit, vous allez faire des problèmes. Bah, vas-y. Non, pas de problème. Tu fais rien encore. Des solutions. Non, pas de problème. La photo, madame. Pas de problème, monsieur. Bon, on fait des photos ou pas? Et la soirée, elle était bien parce qu'on n'était pas à la soirée, nous. Attends, on prend une photo, frérot. C'est la street ici. Je vais être dedans, moi. Et moi aussi je vais être dedans, ça passe dans le cadre. Mais doucement, toi tu passes pas dans le cadre toi. Vas-y. On va te péter le coccyx à 3 parce que t'es trop bas à l'aise. Mais on est trop collés là. Ouah, Souleymane, t'as touché le cul. Tu m'as touché le cul, Souleymane. Je te jure, tu m'as touché le cul, mais j'ai senti. Attends, mais c'est juste t'es trop gros. Qu'est-ce que tu sous-entends? Cheeseburger. Kylian. Ouais, Mbappé. Bon, tranquille, vas-y. Un flashing de gang. Mbappé, suce doucement le Real quand même. Je tenais à te le dire, suce doucement. Mais hé, écoute-moi, toi. Ouais. Ma grosse chemise là. Depuis tout à l'heure, on parle de mes Timbaland. Personne n'a rien dit avec sa grosse chemise là. Même le père. Même le père à Mbappé, mais pas ses chemises. T'es habillé comme un acteur pour nous. T'es un ouf, Wilfried. Mais qui met des chemises comme ça? Putain, je vais te clasher sur le pif. Y'a un problème contre les gros. Non, y'a pas de problème. Mais méfie-toi. Vas-y, dis le fond de tes pensées. Le fond de mes pensées va me faire ban. C'est vous? Putain, mais le voisin rappeur américain. C'est pour ça que j'ai pas percé dans le rap. Je suis le meilleur manager de la ville. Je suis dans un truc de label et tout. Et écoute, demain, je vais te faire venir. Tu vas nous faire un petit freestyle avec mes autres collègues. Ok. Et si ton freestyle nous plaît, bah on signe, on te trouve des sponsors, on te met dans tous les événements de la ville et tout, c'est bon. Ok. On a des photographes, on a des caméramans, tu pourras faire tes clips et tout, c'est bon. Ok. Et je pourrais mettre la meuf dans mon clip là, parce qu'elle a bien la dégaine à être dans un clip de Gazo là derrière. La paye, tout dépend des vues et tout. La paye, tout dépend. Ah, pour le contrat, on verra. Ouais, frérot, pourquoi tu parles argent direct? C'est la passion avant avance. Tout. Il veut une avance. Et de quelle avance? Non, mais quand il signera le contrat, il touchera un cachet normalement. Ça y est, il abuse lui. Et ça se voit. Non, moi je parle qu'avec Neville. Si ça se voit, c'est lui, il a raison un peu. Et frérot, Neville, je le connaissais même pas il y a 20 minutes. Ah. Mais non, on se connaît très bien, lui il fait que mentir, c'est un mythomane psychopathe, vous inquiétez pas, je gère tout. Ouais, le mythomane quand il va commencer à poser sur le beat, là il y aura plus personne. Tu me traiteras de mytho. Oublie pas les non, amis qui t'aiment. Tu rappes, je sais pas que tu te poses sur des beats, mais hey, il a rien compris au contrat. Mais non, mais posez sur le beat, le beatmaker, gros con. Mais vas-y, c'est bon, tranquille. Hey, vas-y, attends, mais j'ai juré que les photos, elles peuvent être ça, mais. Bah oui, mais c'est le meilleur photographe. Hey, attends, c'est lui, normal, si mon pote. Lui. Il y avait Slim Shady sur la photo. Oui, Slim Shady, vas-y, envoie ton numéro. T'appelles comment, toi? Moi, je m'appelle Stan, et toi? Je parle pas à toi. Moi, j'étais un ouf. Moi, je m'appelle Neville, frère. Comment ça, je parle pas à toi? Non, mais ouais, Stan, ok, enchanté. Personne te parle à toi, ta tête de con. C'est pour ça que tu te laisses moi gérer les. Frérot, j'en ai rien à foutre de l'autre avec sa teinture de féministe. Moi, ce que j'aime, c'est les meufs. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'as des gars reçus Richard, quoi. Lion, vas-y, tu pourras pas me battre dans le rap Contenders, mon pote. Label, toi. Et vous voulez faire quoi, vous, dans la vie? Bah, moi, je dois redorer mon blason. Redorer mon blaze. Il doit surtout payer l'hébergement qu'il dort chez moi. Ah oui, donc on cherche de la bergerie, quoi. On cherche du travail. Vas-y, mais moi je fais pas de clip. Ouais, non, mais là on doit aller parler au gros monsieur là. Le gros monsieur au fond, parce qu'il a des contacts apparemment, mais c'est pas contre toi. Ouais, quoi, tu frappes mon agent, t'es un ouf? Il a mangé ses cordes vocales ou quoi? Eh, tu veux mon hume ou pas? Envoie ton hume. Bah oui, mais non, j'ai déjà celui de Neville en vrai, t'inquiète. Si vous êtes toujours ensemble, c'est bon. Vas-y, envoie. Eh, pas de problème, mon frère. C'est quoi le numéro? T'inquiète, bouge pas, t'inquiète pas. Accepte le airdrop. Celui qui veut les photos, il me fait quoi alors? Ouais, j'ai reçu. Vas-y, il faut que t'acceptes et envoie-moi un message avec ton prénom. C'est bon. Ouais, dis-moi juste un truc qui commence par la même touche, enfin la même. Vas-y, envoie-moi un petit message. Un méchant en Allemagne. Méchant en Allemagne. Oui, c'était le méchant en Allemagne. T'appuies. Ah, ça dépend, il y a Thomas Müller, il y a Adolf, enfin bref. Oui, voilà. Oui, voilà. Son nom de famille, c'est voilà. Oui, mais j'ai un. En fait, ton téléphone, il sort là. Non, mais si tu veux, en fait. Ah non, c'est pas ça. Non. Je suis en QWERTY. Oui.
Enfin, je suis en. Désolé. Tu connais la marque BMW? Ah ouais, je connais bien. BMW. Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, voilà, c'est ça. Ok, merci mon frérot. Souleymane, Akashem Zizou. Non, c'est pas ça, c'est moi. Ah non, c'est la meuf. Tu t'appelles Souleymane. Mais c'est moi, mais c'est moi, ça. Mais depuis le début de la soirée, j'ai un queutreux avec elle et elle a une bite. C'est une dinguerie. Mais Souleymane, enfin la meuf, quoi. Ah non, c'est pas moi. Ah, mais je veux pas le numéro de Souleymane, moi, je veux le numéro de ma femme. Je vous ai envoyé, monsieur. Ah, attends, je regarde. Vas-y, regarde. Eh, tu voudras poser dans mon prochain clip? T'as l'allure d'une... T'as l'allure d'une meuf qui peut tourner dans mon prochain clip. Comment ça, j'ai l'air de... Ah, t'as la classe, quoi. Ah, voilà, je préfère. T'es lancé, on dirait une Miss États-Unis. Merci. Enfin, non, parce que les... Vous avez reçu, monsieur? Ouais, non, j'ai rien reçu. Ça, c'est non, mais c'est parce qu'en fait, je pense que t'as trop de voitures connectées dans tes Bluetooth. Faut que tu déconnectes des ouais, Rolls Royce, tu déconnectes des RS3, tout ça, ouais. Vas-y, nickel, nickel. C'est bon. J'ai une RS3, hein. J'ai pas besoin de monter dans une autre RS3. Ah, t'as une RS3. Ouais, j'ai vu, elle était pas mal, la RS3. Ouais, c'est pas vraiment une RS3. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu rates la voiture de tout Los Santos, qu'est-ce que tu me racontes? Eh, Maître Ben Ali, Maître Ben Ali, c'est de quelle nationalité? Moi, je suis marocaine, monsieur. Mais je vais gagner aucun procès avec ça. Comment ça? Marocaine avocate aux États-Unis, mais je vais tout perdre. 49, je sais pas quoi. Mais monsieur, c'est pas des choses à dire, ça. Monsieur, j'ai gagné un procès tout à l'heure. Ah bon? J'ai évité la raison. Stan, il vous a cloué le bec. Eminem, ah, c'est vrai. Écoute-moi bien. Sinon, tu t'appelles comment, frérot? Ils te payeront. Il m'appelle Stan. Qui ça, moi? Vas-y, c'est enchanté, Stan. Moi, c'est Turfin. Vas-y, la gueule. Tu fais quoi dans la vie, mon bon vieux Stan? Après, je t'ai pas demandé, mais moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah, je suis un rappeur. Ah ouais, tu rappes quoi? Bah, du rap. Attends, okay, j'ai dormir, s'il te plaît. Fais un freestyle avant que j'aille à l'hôtel, s'il te plaît. Mais c'est du rap très très. C'est du rap très très spécial. Hein. Ouais, non, mais on t'en prie. C'est du rap. Comment on appelle ça? C'est du rap paillard, tu connais? Pas du tout. Non, je connais pas. Ah, la claire branlette, j'ai sorti mon poireau pour enculer Ginette sans lui faire de bobo. Il y a longtemps que je t'encule. pardon. Bah, voilà, c'est spécial quoi, c'est du rap hardcore. Si je puis me permettre, il a kick ça. Merci. Il a kick ça. Écoutez, moi je travaille au With The News. Demain, passez vers 23h. C'est vous qui mentez dans les médias. C'est vous qui manipulez. Ah ouais, c'est la vous qui manipulez. Pour atteindre vos objectifs. C'est vous qui avez interdit le port de l'abaya. Enfin, vous le. Êtes corrompu, monsieur. Monsieur, la quoi? C'est vous qui avez interdit de porter une abaya à maître Ben Ali. Ah non, je crois que. C'est pas moi, je défends ceux qui portent l'abaya, moi. Honnêtement. Tu défends ceux qui portent l'abaya, mais pourquoi t'en portes pas? Pour tous. Toi, t'as le vis de la chèvre bouche d'oute. Ça la regarde, ça, monsieur, ça la regarde. Ouais, du couscous, ouais, du couscous. Ok, bah, je ferai une chanson love pour toi et il y aura pas de vulgarité dedans, ce sera que de l'amour. Ça parlera de couscous et d'amour et des trucs comme ça. De couscous et de abaya, tout ça, là. Couscous, abaya, ouais. D'accord. T'es d'où au Maroc? Moi, je. En fait, c'est vers Casablanca. Ouais, je connais. Moi, je viens de Fès. Non, je viens de Fès. Ah ouais? Ouais, tu connais Fès? Sûr. Quelle origine, monsieur? Attends deux secondes, désolé, ça parle de BBL, je reviens. Eh, c'est qui qui a un BBL? Je savais que l'avocat. Chavel Baveux, son cul, il était pas vrai, ça se voyait. Mais non, c'est pas elle, c'est pas elle. Ah ouais, c'est vrai, maître. Ah oui, refaire les miches. Elle est obligée pour gagner des procès d'avoir un cul refait. Mais vas-y, t'as pas vu le cul, est tout plein, on dirait qu'elle était assise dans le ventre de sa mère. C'est pas elle qui est sous BBL. Non, par contre, tu devrais faire un régime, mais ça, c'est après. Mais hé, arrête de dire je suis gros. Ah, pardon, madame. T'es pas. Waouh! Pourquoi t'as tabassé une vieille? Faites un la justice, elle a que des problèmes. Maître, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, mais la justice, elle a que des problèmes. Vas-y, filmez pour les news là. Filmez. Faites un thread, faites un thread. 5 témoins, elle va pas faire long feu, l'avocat. Après, dans tous les cas, la vieille, il lui restait plus grand chose à vivre en vrai. Elle lui restait plus. Elle allait pas tourner dans mon prochain clip non plus. Non, pas Sarah. Mouna. Tu m'as confondu à Sarah quand même. Non, parce qu'on parlait de Sarah tout à l'heure. Viens. Eh, Neville. Eh, tu nous passes 100$ chacun ou on peut tout. Ça va aller, madame. T'as dit quoi, Neville? Oui, tu me passes. Ça dit qu'il faut que tu prépares un freestyle pour demain, un truc solide. Ouais, je sais, demain je vais être signé. Attends, et on va enfin croire à ma version. Parce que si je freestyle pas, ils croiront jamais ma version. On est 5. Eh, on peut pas faire un projet X là, on est aux États-Unis, bordel de merde. Donne 100$, on a rien. Monsieur, elle fait tourner. Regardez, elle vous prend en photo, la dame derrière. Ouais, mais elle est éclatée, je préfère toi. Wow, doucement. Ouais, mais non, mais la violence faite aux femmes. Non, mais on frappe pas les femmes. Frappez pas les gens. Non, non, si, c'est bien, ça fait du bien des fois de frapper les femmes. Frapper sa femme? Mais c'est Chris Brown ou quoi, lui? Mais c'est vous qui dites ça. Non, mais attendez. Mais pourquoi elle dit ça? Non, c'est un blague. En vrai, c'était de l'humour, hein, pour une fois, c'était pas mal. C'est de l'humour noir. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Attends, ouais, c'est vrai que c'était de l'humour noir. C'est de l'humour noir, là, comme... comme qui? Comme le gros, comme là. Le gros, il est noir. Eh, s'il te plaît, je dois t'avouer un truc. Tu dois t'avouer un truc, j'ai un petit complexe de taille. Tu peux enlever tes talons pour voir un truc? Ah, bien sûr. Merci. Attends. T'es quand même petit, par contre. Ah mais là tu viens de me... Bah voilà, on fait la même taille maintenant. Chauffe les pieds. Ouais, je chauffe là, attends.
Comment je fais pour zoomer là? Ils sont propres en vrai. Vas-y, lève vite fait. En vrai, je peux les vendre, non? Franchement, moi j'achète direct. Attention, t'as mis du vernis et tout? Ça passe. Non, mais tu trouves que c'est. Attends, j'ai juste un champignon au milieu là. Mais toi, tu pourrais sortir avec un mec plus petit que toi ou pas? Ah non. Ah bon? Ça va, on fait la même taille là. Vite fait, hein, je suis plus grande quand même. Non, t'es pas plus grande. Tes cheveux qui font ça, je crois. C'est bon, là, je suis petite. Ah bah, du coup, c'est bon, c'est acté. T'as signé. Mais t'inquiète, ouais. tu reviendras quand j'aurai fait la cérémonie des gigros, tu verras. Ouais. On vous connaît, vous les femmes. C'est-à-dire hein. Ah, vous revenez souvent quand l'herbe est plus verte, quoi. Ah oui. Ah bah, t'as pas dit le contraire, c'est bizarre. Bon bah, en tout cas, merci pour. Non, mais parce que je voyais que t'avais mal avec tes talons. Attends, je mets mes claquettes, hein. Voilà. Ah ouais. Et là dans ces chaussures tu dois puer des pieds hein, je pense. Ça c'est les claquettes, ça se voit, ça sent des pieds. Enfin bref, après ça me dérange pas en vrai. J'ai acheté un Nike. Ah Nike. Ah les gars, il y a un bise à faire. Ouais. Bien sûr. Les gars, écoutez pas Neville, c'est un complotiste les gars, il croit que la zone 51 ouais. C'est là où tout se passe. Non. Ah bah non c'est ailleurs je pense. Il s'en passe quand même des choses là-bas, non? Mais bah, non, c'est gaze, y'a rien. Moi ce qui va se passer. T'es complotiste, tu penses qu'il y a quoi derrière le mur? Ah ouais, c'est J'sais vrai. Pas. Bah Blaine County déjà. Qui Blaine County? Ouais, c'est faux. Bah c'est faux, la ville derrière le mur. Mais des merci. Il y a des reptiliens. Déjà, le maire de cette ville, c'est un reptilien, je l'ai. Il dit quoi? Attends, quoi? Il raconte des conneries, il est complètement arraché du système. Ouais, ça va. Ouais, pardon. Nous écouter, ouais, vas-y, chuchote. Je suspecte Eminem d'en être un, je l'ai pas dit encore, mais. Ça, c'est bizarre, ce mec, il se pointe devant ma porte, il dit qu'il cherche des grands-mères. Je suis bien gentil, les bergers, parce que je suis sûr que c'est un reptilien. Des grands-mères? Non, mais c'est une longue histoire. Quoi, en fait, je me suis perdu sur le site Mamie Chaude. Mais non, mais arrêtez là. Tu sais pourquoi il arrive en ville, Eminem? Il est venu toquer à ma porte, il croyait que c'était chez une grand-mère chaude. Putain, mais Starfoula, t'étales les péchés des gens comme ça en public, c'est quoi ça? Pourquoi t'as vu les Eminem? C'est une dinguerie, laisse mes péchés. C'est une dinguerie de faire ça, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. Ouais, Jackie, il y a 120 mètres de chez toi. Non, c'est une dinguerie de faire ça. Eh, voilà, les pubs sur les sites de paf, il a cliqué, il s'est inscrit. Il s'est fait scam. En fait, c'était un Soudanais qui lui extorquait des sous à distance. Et il l'a fait venir juste. Et Eminem, t'es endetté? Eh, les gars, j'ai une question. La baveuse, c'est une Soudanaise ou pas? Non, c'est une Marocaine. Ah, mais c'est encore pire, non? Bien sûr que c'est pire. Ça dépend. Non, mais pire en termes de. Parce que est-ce qu'elle va me soutirer plus que les Soudanais? C'est ça que je demande. Regarde les biceps. Wesh. Et c'est quoi ces biceps? Mourad il est sous ballon si vous voulez. C'est qui Mourad? Non, c'est un surnom, c'est Neville. Neville il est sous ballon. Neville il est sous ballon. C'est son nom complotiste en fait, c'est son nom complotiste. Ah. C'est bon, j'ai un ballon. Ça va les gars, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Et non, mais en fait, il y a une théorie qui dit qu'on a tous des noms musulmans. Et le nom de Neville musulman, c'est Neville. Mais pourquoi tu parles tout le temps de ce genre de choses? Sinon, frérot, ça t'intéresserait d'interpréter un concert à l'arrière d'un camion ambulant? Non, moi je vais juste. Tour de la ville. C'est quoi ces conneries là? C'est quoi ça? Je suis le marchand de glace ou quoi? Moi je vais organiser la cérémonie des gigros. Un événement et que j'envisage et peut-être que tu pourrais. Eh, laisse-moi d'abord faire les gigros et après on parlera, ok? Mais toi, tu peux pas jouer. T'es pas forcément gros toi. Non, je suis pas gros, moi je vais juste chanter moi. Ah, ok, bien vu la surprise. Bien vu la surprise. J'y serai. Attends, ah, mais il savait pas? Mais non, t'as leak. Mais tu viens de leak. Ah, mais putain, je savais pas, moi je croyais qu'il savait lui. Bah, on s'en fout, tout le monde s'en branle de son avis à lui. Ouais, c'est pas non plus un leak de fou, mais ravi de l'entendre, moi c'est une raison de plus d'y aller. Ah, non, mais t'es un ami. On peut te dire. Ouais. Ah ouais, t'es un ami, enfin ça se voit. Les gars, c'est où qu'il y a des soirées là? Où il y a des verres rouges, on peut jouer au beer pong et voir des meufs. Mais les 4h du matin, il est temps d'aller se coucher là. Ouais, là c'est 4h du matin. Là il serait temps d'aller dormir là. Bonne soirée les gars, rentrez bien. Elle prépare un freestyle pour demain. Arrête d'envoyer des messages à des meufs là. Je dis pas ça parce que. J'ai envoyé quoi tout à l'heure comme message? Attends deux secondes, t'es une femme. À la Rabzouz hein? Attends deux secondes, une femme, mais il y a beaucoup. Entre bien, fais attention sur la route, je dis pas ça parce que t'es une femme, mais il y a beaucoup de femmes sur la route. Okay. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, t'as un petit cul de ouf. Et t'es un malade, tu crois qu'elle va te rappeler avec ça? Et après elle est venue me voir, tu sais, elle m'a dit quoi? Et je crois que j'avais pas entendu le mot Rabzouz depuis 2012. Elle m'a dit ouais, elle m'a dit Neville, c'est quoi le message que tu m'as envoyé et tout? T'es fou frère. Et non. Je lui ai dit, t'as un petit cul de ouf et tout, non. Il m'a dit, ah, tu trouves et tout. Frérot. Toi non plus, t'es pas mal et tout. Elle m'a dit ça. Elle veut Jessie. Hein. Même Jessie, elle veut Jessie. Après mon numéro direct. C'est qui Jessie? C'est qui Jessie G? J'ai pas vu Jessie moi. C'est la blonde, elle était là au début. Par contre, elle a pris mon numéro et la seconde d'après, elle était dans une voiture avec un Mexicain. Ah ouais, ça c'est bizarre. Frérot, j'ai envoyé un message à 6h03. Il est 6h04, elle m'a toujours pas répondu. Tu penses, elle veut plus? Insiste, faut forcer avec les meufs. Non, mais je vais pas insister en vrai.
faut forcer. Faut for... En plus, t'as oui, c'est, faut une forcer, c'est une avocate. Force bien. Ouais, force. Eh, ah, Wilfried, t'habites où, toi, Wilfried? Je dors chez vous, j'ai pas de maison. Oh non, 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 on a déjà assez de problèmes comme ça. Mais non, mais j'ai pas un problème. Et tu dormais où jusqu'à ici? Eh, je dormais sur un banc. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et regardez les gens, t'as c'est pas drôle de se moquer des gens comme ça. Ah, ça va, on peut se moquer des gros, on peut se moquer des SDF. Eh, hein. les SDF. Eh, les SDF, si vous voulez pas être SDF, vous avez qu'à aller bosser. Quoi? C'est vrai, non? Non, t'as raison. Eh, hey, t'as combien sur toi? T'as combien d'argent? Merci, toi aussi, t'as raison, les femmes ne savent pas conduire. Bande de merde. J'ai combien sur moi? Ouais, t'as combien d'argent? $1,350. Eh, vas-y, faut qu'on change ça. Vas-y, les frères, bonne nuit. Vas-y, bonne nuit. Bonne nuit, frérot. Vas-y, on se voit demain. Eh, frérot, là, cette nuit, je vais pas dormir. Je vais écrire un freestyle sur les gros. Je peux te dire que tous les gros, ils vont y passer. Je peux te dire qu'il n'y a pas un gros que je vais oublier. Je vais pas les insulter. Juste faut appeler un gros, comme faut appeler un chat, non? Je sais pas, ils ont dit, faut mettre en... Il y a un peu de la haine, là. Faut mettre à l'honneur les gros, ça va les faire bouger. Vas-y, dis-moi 2-3 rimes là. Sûrement une petite inspire. Ah, moi j'avais l'inspire d'aller les gros, aller les gros, mais à ce qui paraît c'était déjà connu. Non, faut partir de nulle part. Faut partir d'une feuille vierge. Ah, mais viens, on fait le récap de cette journée quand même, parce que la journée avait très mal commencé. On s'est quand même fait bolos devant le Bahamas par tout le monde. Mais après, je trouve qu'on s'est bien rattrapé parce qu'on s'est fait des amis en vrai. Ouais, mais t'as quand même merdé. Ah, j'ai merdé, mais je peux me rattraper avec la cérémonie des gros. Mais le chef des narcos, de quoi? T'aurais pu. Prouver, t'aurais pu devenir son chanteur personnel. Eh, hey, frérot. Tu t'es chié dessus, tu m'as sorti. Frérot. Tu m'as sorti 93 hardcore. Eh, hey, frérot. Au lieu de freestyler. Eh, hey, frérot, tu sais très bien que j'ai un background. Et Eminem, il a pas percé comme ça du jour au lendemain. Avant de me scam. Il a dû passer par des étapes. Il a dû rapper en freestyle contre des rappeurs Renoir Solide. Tu vois ce que je veux dire? Il est arrivé, tout le monde lui crachait dessus. Il est ressorti de là-bas, c'était une rockstar. Donc. T'inquiète pas, mon moment va venir. Notamment lors de la cérémonie des gros, je le sens bien, hein. T'imagines, c'est faux la cérémonie des gros? Ah, tu penses c'est faux? Je sais pas, j'imagine. Moi, t'as eu... Je suis un peu complotiste sur les bords, je sais pas si t'as remarqué. Mais en vrai de vrai, les JO... Je connaissais, les JO pour les handicapés, je connaissais. Mais les JO pour les gros, je connaissais pas. Ça a l'air d'être... Ah putain, ils ont ouvert la porte, les Mexicains. Arrête. J'aime baiser des Mexicaines. Demande à Pierre Gignac. Ah non, ils sont pas là. D'ailleurs, eux aussi, ils vont manger leur freestyle un jour, les Mexicains, je te le dis. Tout le monde va y passer, hein. Les gros, les Mexicains, tout le monde. On peut parler des gros Mexicains? Les gros Mexicains? Ouais. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Pardon pour... Je suis à l'hôtel avec ma grosse Mexicaine. Je suis pas sûr que c'est... Tu sais que les gigros, ça doit être familial, hein. Il va y avoir du monde devant la télé, je suis au gigros avec ma grosse Mexicaine. Franchement, reste manager et prends tout l'argent, mais... Arrête. En vrai de vrai, viens, on réfléchit au freestyle maintenant. Je vois que t'as l'air inspiré là. Ouais, c'est ce que je fais. Bon alors, qu'est-ce qui... En fait, c'est simple. Il faut partir d'un truc sur les gros qui clash les gros, mais qui te dit ouais, ok, je suis gros, mais t'as vu, c'est pas parce que je suis gros que voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qui... Non, c'est un truc qui dénonce en fait. Qui dénonce quoi, les gros? Non, justement, qui dénonce les gens qui se moquent des gros. Genre, il faudrait dire un truc du genre, c'est pas de notre faute si on est gros, c'est la société qui nous a rendu gros. Regardez les Big Mac, ils sont savoureux. Des fois même, il y a des triples steaks et parfois des quadruples. Et même, tu vois, un truc comme ça, genre, personne ne peut résister au Big Mac. Même si bon, j'avoue, c'est pas bien parce que ça soutient pas Israël, c'est de la merde. Faut pas manger un McDo. Faut pas manger un McDo, mais j'avoue, c'est bon. Mais faut pas quand même. Faut pas. T'avais gros sur le cœur là. Par contre, il y a une phrase que t'as pas le droit de dire en freestyle. Hein. Ah bon? Non, parce que sinon, c'est fini la carrière pour toi. Ah d'accord. C'était le Big Mac? Non. C'était les Big Mac, finance, non. Ah d'accord, je crois que j'ai compris. Ça non t'oublie. Mais c'est pas grave, on ira pas à McDo, on ira à Burger King. Ouais, non mais ça t'oublie, tu dis pas cette phrase. Ah d'accord. Sinon, c'est fin de carrière. Tu crois qu'il était quoi le manager, là, avec sa chemise verte? Ah, le manager, c'était quoi? C'était quoi? Oui, mais avec ça, on est sûr de passer sur la télé des news. Oui, voilà, on va passer sur Wizard News. Non, mais faut faire comme si de rien n'était. Joue leur jeu. Non, c'est vrai, t'as raison. On va être beaucoup plus smart. Eh, ouais. Pour l'argent, on baisse notre froc. C'est ça la devise, ok? Ah, donc il faut qu'on baisse notre froc. On baisse notre froc. Ah, donc toi, t'as la possibilité de percer en baissant ton froc. Tu baisses le baggy direct. Mais bien sûr. Ouais, en vrai, ça se tient. De toute façon, faut payer le loyer, hein, donc. Si. Je pensais même pas que la question se posait, moi. Ouais, c'est vrai. Je pensais que ton froc, il était déjà un peu baissé. Oh, pardon. Pardon, j'ai pas fait exprès. Pardon, je contrôle pas mes membres, des fois. En fait, j'ai... T'es bien, là? Ouais. Ça me fait penser à un freestyle que j'avais écrit il y a quelques années, là, ta pose. Putain, le rideau, il a besoin d'un petit coup de poussière. Hein.
Franchement, la décoration de ton intérieur est relativement inquiétante. Ah, bon, je pense qu'il est temps d'aller dormir. Tout se cache au mont Chiliad. Eh, Neville. Ouais, pas de Mexique. Neville. Ah, allez. Ah, Neville. Quoi ? Non, je disais, en vrai de vrai, il faudrait peut-être aussi faire un freestyle où on les encourage à perdre du poids, mais sans trop se moquer d'eux. Ouais, bande de gros porcs, commencez à courir, on s'en bat les couilles de votre dépression, on s'en bat les couilles, vous êtes gros. T'es gros, arrête. Non, en vrai de vrai, fais comme Neville et fume du shit, ça te fera maigrir, et en plus de ça, tu pourras planer au lieu de manger. Enfin, un truc comme ça. Ouais. Bon bah bonne nuit, hein, parce que t'as l'air un peu fatigué quand même. Moi, je connais toujours pas les touches, ça c'est inquiétant, mais ça c'est après. Sleep, burn sleep, sleep big dog. Je suis inquiétant. Alors normalement, je suis normal. Mais putain, il est complètement con, mon perso. Mon perso est complètement con. Bon, bah, je vais dormir comme ça, en vrai. C'est à l'image du personnage, en vrai, de vrai.